Il y a des lumières. Il y a des lumières. Il y a des Thank you.
Alors, attendez, je vais d'abord arrêter le partage d'écran et je reviens ici vous retrouver là. En fait, la personne a du mal à se connecter, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'attends et puis vous aussi, en attendant, si vous pouvez partager. Là, je remarque qu'il n'y a pas assez de partage. Vous aimez vous faire prier et c'est désolant à chaque fois, c'est fatigant, je trouve, hein. Parce que vous avez des obligations, j'en ai aussi. Si on se donne un peu de rendez-vous, essayons de faire en sorte que notre petit moment se passe au moins tranquille, quoi. Donc, essayez d'appeler les autres, de venir regarder. Ce petit côté qui fait en sorte que beaucoup de gens n'ont plus envie de parler. Parce que vous aimez juste regarder le Congo ça et patati patata. Bon. Je vais encore mettre un son en attendant elle se connecte. Clique seulement le lien que je t'ai envoyé, s'il te plaît. Clique sur le lien que je t'ai envoyé. Et puis, comme ça, on va avancer, s'il te plaît. Donc, si je peux encore faire une musique de plus pour, en attendant que toi, tu arrives à rentrer dans le live, il faut que je commence le live avec elle à côté. La victime principale, sachez qu'elle n'est pas la seule victime. Mais comme beaucoup, vous connaissez un peu déjà ma politique, je ne dénonce pas sans les victimes à côté. Donc, on va essayer de faire partage d'écran. On va voir qui on peut encore écouter là. Donc, on va essayer. Je pense que je vais commencer. Attendez, je vais l'appeler là. Je ne sais pas quel problème est là, parce que là, c'est. Eva, amène-moi l'ingé de là-bas. Mon image, là, n'est pas claire.
Aïe. Ah bah, je vais couper là, ça c'est ce que je n'aime pas. Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi je n'aime plus trop. Ça, c'est des choses qui me fatiguent l'esprit. Je n'aime pas quand je me lance sur un truc et puis voilà. Attendez, j'essaie de. Ah. C'est fatigant. Bon, écoutez, normalement, le live doit se passer avec. La concernée, et vous savez que moi j'ai des mesures de sécurité maintenant où je ne fais plus de live sans concernée. Donc du coup j'attends tout simplement qu'elle vienne se connecter, et là je ne sais pas où elle est, ce qu'elle a comme souci là-bas en ce moment, parce qu'elle répond ok, connecte-toi, ok, mais elle n'est pas là. Donc du coup ça me dérange un peu de commencer le live sans la concerner, pourtant c'est déjà parlé, et là j'ai, c'est pas bon là, ça fait plus de 15 minutes, je suis connectée, 10 minutes déjà, je suis connectée, c'est pas bon. Bon, moi je vais commencer le live, et à un moment donné, je vais devoir, j'ai même pas envie de commencer sans elle, j'ai pas envie de commencer sans elle, c'est pas normal, on s'est donné rendez-vous. Donc essaie de se connecter, je te donne encore 2 minutes là, sinon je coupe directement le live et je fais pas. Voilà. Sinon, je vais directement couper le live et puis comme ça, je laisse ça comme ça. Donc, bon, je vais encore me faire une petite lancement. Je vais encore essayer d'appeler une dernière fois. Ça, c'est pas possible. Ça. Quelqu'un qui est supporte. Tu es supporté. On va supporter quoi? Il y a des choses que moi je n'apprécie pas. C'est des retards, c'est des trucs comme ça. Hein? Vous ne pouvez pas travailler avec moi. D'accord, quand pour moi c'est calé dans la tête, c'est vraiment calé dans la tête. Alors partageons-le là. J'espère qu'elle a un problème. Je suppose qu'elle a un problème de connexion ou elle n'arrive pas à se connecter. Essayons de partager. Je vois 95 personnes connectées. Ça veut dire qu'il y a combien de personnes sur YouTube? En fait, moi, comme je suis derrière l'ordinateur, derrière le logiciel, il me donne la comptabilité de 2 plateformes, c'est-à-dire de YouTube. Et si donc, il n'y a pas encore assez de monde, au bout de 13 minutes, nous sommes à 95 personnes de 2 plateformes. Donc, essayons encore de partager. Nous sommes à 102 de 2 plateformes. Ça veut dire qu'il y a combien sur YouTube, il y a combien sur Facebook. Donc, en attendant que la sœur arrive, on essaie de partager encore un maximum. Donc, nous sommes à 98 sur Facebook et ça veut dire que YouTube a 10 personnes. On partage. Partageons d'abord, s'il vous plaît. Donc, vous, quand il s'agit de donner des récompenses, là, on voit les gens venir demander des récompenses. Quand il s'agit de demander des trucs, là, mon inbox ne dort plus. J'ai encore hier même, il y en a qui sont encore venus dans mon inbox. Tata Claire, moi, je n'ai pas reçu la récompense. Tata Claire, donc vous pensez que vous allez gagner de l'argent là comment? Vous pensez que Facebook me paye avec quoi? C'est pas avec vos partages. Facebook me paye avec quoi? Vous pensez que Facebook me paye parce que je suis trop gentil comme ça, je vais m'asseoir? C'est pas avec la diffusion des informations. Oh, quelqu'un prend le temps, vient parler, la bulle. Ma soeur aussi, tu es là, je ne sais pas où tu es parti. Ça, c'est pas possible. Bon, j'ai déjà beaucoup partagé, mon doigt fait mal. Il faut même que tu puisses avoir le panari dans le doigt. Partage jusqu'à voir le panari à l'arrière écran que j'ai mis les trousses. Je sais pas, apparemment il faut mettre un fond vert derrière pour que ça fasse bien jaune. Voilà, ils sont comme ça les hypocrites, toujours ils sont là connectés, ils regardent, partagent jusqu'à combien de minutes, à part 5 partages on dirait combien que quoi, hein? On dit qu'on doit, on doit travailler ensemble, c'est comme ça on travaille ensemble. Si on doit dénoncer les choses comme ça, pourquoi j'ai mis le marabout là en valeur, Seigneur? Mon Dieu, nul sans effet. Je voulais supprimer, j'ai quand même mis en valeur. Regarde-moi les choses là. Hein. Et je vais encore essayer d'appeler la sœur. Là, si tu n'es pas là, on va commencer, tu vas me rejoindre. Donc, une dernière tentative.
Si tu n'es pas là, soit je coupe le live, et si je coupe le live, ce serait pas bon parce que ce serait le premier live que je coupe après avoir annoncé le live. Et ça va vraiment me faire chier. Donc, ça, c'est déjà vraiment de me faire capoter l'esprit. Je supplie en même temps les marabouts. Pourtant, ma fille administratrice de la page, là. Oh, quoi? Attendez. Je pars quelque part. Ah, elle appelle. Aïe, moi, je me suis dit que tu t'es désisté. Parce que là, ah, parce que mon esprit commençait déjà à faire des papou-papou. Tu es où? De suite même que tu es où? Ça, c'est le... Vous avez les rendez-vous des abonnés. Tu penses que tu vas avoir un rendez-vous amoureux? Hein? C'est bon, tu es dans combien de temps? Moins de 3 minutes, d'accord. OK. Ça marche alors, le temps que je commande. Donc, tu cliques sur le lien que je t'ai envoyé. Tu cliques sur le lien. Et le dernier lien, voilà. Voilà. Et puis, tu vas rentrer dans la plateforme. Je vais t'accepter directement dans le live. OK, ça marche. Bisous à tout à l'heure. Bien, c'est une personne de confiance, elle a donné sa parole. Ce n'est pas les gens qui changent d'avis à la dernière minute. La sœur veut nous boycotter le live. Non, elle ne va pas boycotter. On a parlé tout à l'heure là. Mais comme elle n'était pas encore sur place, c'est que nous, les Gabonaises, là, on n'est jamais. Hein? Bon, allez, mettez les cœurs. On va commencer le dépistage. Dépistage. Quand j'ai mis le post, en fait, l'histoire m'a été déjà racontée avant les fêtes. Mais j'ai dit à la sœur que laisse-moi d'abord terminer les fêtes tranquillement et puis on peut commencer le début de l'année. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Je vous remercie. Je remercie aux personnes qui partagent et les personnes qui sont là connectées. Donc, bonsoir Corinne, bonsoir Mireille, bonsoir Big D, bonsoir Luc Mombo, bonsoir à mes abonnés qui sont sur YouTube, bonsoir à vous. Encore merci pour votre soutien et votre fidélité. Partagez le live. Je suis votre sœur, grand-sœur, petite sœur, nièce, tante, mère, cousine et tout ce que vous voulez, Claire Newman, activiste gabonaise. Aujourd'hui, j'ai été interpellée par une jeune sœur gabonaise depuis déjà 3 ou 4 jours, si je ne me trompe pas, sur une affaire la concernant ou lui concernant. Bon, dans le français de Molière, là, vous allez prendre la partie qui va bien avec votre tête, le reste, c'est pour moi. Donc, du coup, elle m'informe qu'elle est victime d'un vol, d'une escroquerie, ou d'un trafic ou d'un abus de pouvoir des autorités du pays et qu'elle ne serait pas la seule. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous savez, notre pays, notre population, beaucoup sont, je n'ai pas envie de dire de lâches, mais beaucoup préfèrent subir sans parler, beaucoup préfèrent se taire. Depuis là, elle essaie de convaincre une personne, malgré ça, de venir parler, mais la personne a tellement peur même de parler au téléphone. Donc, la sœur n'est pas la seule victime. Il paraît qu'il y a d'autres personnes qui sont victimes de ces mafieux policiers. Et encore, c'est au vu et su de tous, sauf que la plupart de collègues ferment les yeux. J'ai reçu quelques appels et quelques messages aujourd'hui en me disant que nous connaissons le personnage, il y a un peu de soupçon concernant cette affaire, mais nous voulons seulement voir de quoi il en est question. Donc, ce qui veut dire que beaucoup, vous savez ce qui se passe dans vos cellules, dans vos structures, dans vos unités, mais comme pour vous, le confort personnel est plus important que la sécurité pour laquelle le peuple gabonais, vous avez prêté serment pour être là pour le peuple gabonais, beaucoup d'entre vous, vous choisissez la voie de la lâcheté au détriment du peuple gabonais. Voilà une sœur gabonaise qui aujourd'hui a refusé de se taire et a décidé de parler et mettre ça aux yeux du monde entier. Même si à côté, elle a reçu bien sûr les serments, mais s'est sermentée ou sermentant. Bon, bref, qu'elle n'aurait pas dû. Mais ici, je veux dire qu'on relève 2 cas ici. Ce n'est pas seulement le cas de rembourser, mais aussi des manœuvres qui sont mises en place et ça ne dure pas d'aujourd'hui. Donc, partagé. Nous avons ici une affaire policière d'une unité qu'on appelle l'ULIS, donc unité spéciale. Unité spéciale de quoi? Bon, bref, unité d'intervention spéciale. Ils ont vraiment des interventions spéciales, si ce n'est que faire
le trafic de choses sur le terrain, bien le rapport de force. Voilà, donc eux, ils s'appellent ULIS, unité d'intervention spéciale, le SLC où ils vont intervenir spécialement. Donc, nous avons affaire à cette unité-là. Bien sûr, il y a d'autres unités. Bonsoir Claire, bonne année à toi aussi, Hannibal. Donc, il y a aussi d'autres unités, d'autres personnes concernées. Bien! De temps en temps, je vais manger mon petit pirochet là, en attendant que la soeur arrive. Est-ce que vous avez partagé? Bien, alors, l'histoire que je vais raconter, c'est elle que j'attends parce qu'elle va raconter, sera la narratrice et moi, je vais venir relever les défaillances de cette situation. Vous savez, depuis un moment, comme je vous ai dit, vers fin 2022, j'avais décidé de ne plus vraiment porter les problèmes des Gabonais personnels. Lorsque je parle des problèmes, vous me connaissez, il y a une sœur qui a été maltraitée par son mari, je venais parler, il y a un divorce qui se passe mal, je viens parler, il y a l'adultère à gauche, je viens parler, il y a tous les problèmes qu'on me saisissait, je parlais toujours, vous voyez? Et puis je me suis dit non, parce qu'à chaque fois, ici enfin, j'ai eu deux plaintes. J'ai eu deux plaintes parce que deux consoeurs gabonaises m'avaient saisi pour exposer leurs problèmes. Dieu merci, c'est que les personnes qui ont porté plainte en mentionnant ma plateforme n'ont pas gagné le procès. Tout simplement, la victime avait gagné le procès et donc je suis sortie gagnante parce que je ne suis qu'une plateforme communicante. Et c'est à partir de là que moi, j'ai décidé que dorénavant, je ne pourrais plus parler des problèmes des Gabonais si les protagonistes eux-mêmes ne sont pas témoins, ne viennent pas parler. On l'a si bien vu aussi avec l'histoire, donc on va pas aller, je vais pas revenir sur ça. Rien que le fait que je mette ma bouche, ça a pris une tournure où les gens n'ont plus voulu regarder d'où vient le problème, mais qui parle du problème. Parce que comme je le dis souvent, lorsque le problème est sur les réseaux sociaux, sur le côté femme gabonaise activiste, si je n'ai pas parlé, c'est comme si le problème n'existe pas. Quand je parle, même ceux qui n'avaient pas envie de parler, vont toujours parler et m'accuser. Bonsoir, Alizé, depuis YouTube. Alors, tu m'as dit 3 minutes. Vous voyez que je parle là, ça fait plus de 3 minutes. Les Gabonais, pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Tu m'as dit 3 minutes. 3 minutes est dépassée. Oh! Mon nom, la sœur là, elle ne connaît. Ça dit 3 minutes. On est déjà là plus de 23 minutes pour se connecter. On t'attend. Bon. Alors, unité spéciale d'intervention. Merci, UNIS. Merci, c'est ça. Elle appelle encore, on est bloqué. Il y a, attendez. Tous les attelacos sont en train d'aller à gauche, à droite, là, c'est pour t'attendre. Tu n'arrives pas? Ah bon, moi je te vois pas, tu es où? Voilà, ok, maintenant clique sur entrée, tu vas arriver sur le salon. Clique sur entrer, connecter ou rejoindre le salon. Ça te met un truc comme ça. Ça t'a mis la caméra où on te dit de mettre ton nom. Non, ne désactive pas. Voilà, accéder au... Accéder au studio, voilà. Tu vois, ça vient de faire comme je t'ai entendu. Voilà, là c'est bon. Vraiment, la Gabonaise. Comment ça va? Bon, ça va, merci. Et toi? Mais toi, tu dois être difficile pour avoir un rendez-vous à toi. Hein? Toi, quoi? Hein? Moi, j'ai un rendez-vous depuis 1 heure en retard. Hein? C'est vous tous là que les hommes fuient au rendez-vous. Hein? Désolée. Bonsoir. Ok, d'accord. Merci. Vous êtes pardonné à moitié. Merci. Donc, voilà. Alors, je vous présente, tu vas faire la présentation. Donc, pour commencer, je vais mettre un peu de contexte et puis je te laisse narrer toi-même l'histoire. Et ensuite, je vais relever pour moi les informations importantes qui me permettront, si possible, de faire appel au pouvoir public. Et voilà, et si la personne peut aussi payer, parce que c'est bien beau de, comme on appelle, d'arranger en interne. Mais il faut aussi qu'il y ait des sanctions qui soient mises en place pour ce genre de comportement, pour que, à la fin, les citoyens gabonais se sentent en sécurité. On ne peut pas ni être maltraité par un président et en même temps aussi par les gens qui sont censés nous protéger. Alors, vous avez devant moi Madame Stan. Je ne sais pas pourquoi elle a mis le responsable, mais bon, non, apparemment, non, c'est... Non, j'ai pas pu me connecter à mon compte, comme je te disais.
Ok, d'accord, parce que j'avais pas retenu ton prénom. Enfin, tu connais un village. Voilà, donc c'est ici on a Madame Avila qui est avec nous, c'est la victime qui aujourd'hui dénonce ce qui se passe à l'unité spéciale d'intervention qui est à la gare routière. Donc cette dame est victime d'un abus de confiance, de pouvoir autant pour moi et de trafic d'influence en sa personne vis-à-vis d'elle de la part de deux officiers. Donc, du coup, sans plus tarder, je vais vous laisser la personne placer le contexte et je vous demande aussi les personnes qui veulent intervenir, vous avez le numéro, même la sœur qui a peur d'intervenir là, je peux lancer un appel à si elle regarde, même toi qui as peur de parler, est-ce que tu l'as eu tout à l'heure? Oui, je l'ai eu, je lui ai dit que de se connecter à toi, justement, parce qu'elle est victime pour moi. La sœur ne t'en fait pas, tu pourras. Voilà. Donc, il y a le numéro de téléphone, toutes les victimes, vous avez le droit d'intervenir et modifier votre voix si vous voulez, ou me saisir en privé. Le but ici, ce n'est pas de vous afficher et avoir des problèmes, mais sachez qu'on est dans notre pays, on a le droit de vivre librement et que les personnes qui sont censées nous protéger, si ces personnes ne nous protègent pas, ces personnes méritent d'être conduites aussi auprès de la justice. En tout cas, c'est comme ça pour moi, je vois les choses. Sur ce, je te donne la parole et puis à tout à l'heure. Parle gay. Alors, je vais... C'est bon? J'ai cru que ça... Oui, ça va. Allô? C'est bon, c'est à toi. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, on t'attend. D'accord. Bon, j'ai été victime de vol de ma voiture le 12 mai. Pardon, 2022. Alors, je vais raconter les faits. Donc, la voiture, c'est type Clando, Carina. Je pense que je t'ai envoyé les papiers. Hein, toutes les personnes qui vont, voilà. Donc, ce jour-là, c'était le 12 mai. Le 12 mai 2022, ma voiture a été interpellée au niveau de la campagne avec la personne qui filme, c'est mon petit frère, Glenn. Donc, la voiture a été interpellée avec mon petit frère. Et pourquoi? Normalement, il sortait de la vidange. Je l'avais envoyé faire la vidange. Et en sortant de la vidange, le mécanicien lui dit que justement, il va falloir... il y a une fuite au niveau du moteur. Donc, il faut qu'il envoie un mécanicien. Donc, ce dernier, sachant que on connaît nous deux... Enfin, je connais le même mécanicien qui réparait ma voiture à moi. Il a appelé Kevin. Kevin lui a dit que... Et Guizo. Les deux ont dit que, bon, écoute, nous sommes en dépannage, mais tu peux nous attendre là, pas très loin de notre garage. Donc, il a garé à la campagne et en attendant qu'ils arrivent, il s'est dit que, bon, je peux regarder le problème parce qu'il connaît bien les véhicules. Donc, il est allé, il était en dessous de la voiture et tout à coup, vous avez vu avec la remorque, il y a des policiers qui viennent interpeller, lui disant, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là et tout ça, vous êtes un mécanicien et tout. Il dit, non, moi, je ne suis pas mécanicien, c'est ma voiture. En fait, on m'a signalé qu'il y avait un problème, donc je voulais regarder en attendant le mécanicien. Donc, les policiers lui disent, ah, oui, donnez les papiers. Donc, lui, il leur fait comprendre que, mais non, je ne suis pas mécanicien. Et bon, il y avait d'autres mécaniciens qui étaient à côté qui disent, non, lui n'est pas mécanicien. Et donc, lui, il dit, non, moi, j'attends telle personne. Les autres disent, ah oui, c'est vrai, on connaît les garagistes qui l'attendent, tout ça. Donc, lui, il y a un refus d'obtempérer parce qu'il voit que les gars sont très agressifs et tout ça là. Ils ne veulent même pas comprendre et tout. C'est comme ça qu'ils disent, on embarque le véhicule. Mon frère dit, OK, il n'y a pas de souci, embarquez. Mais moi, je ne vous remets pas les papiers. Donc là, la chance qu'on a eue, c'est parce qu'il a eu le réflexe de filmer ce qui se passait. Et si vous regardez, il y a des sous-officiers là dans cette vidéo. Donc, il y a des sous-officiers. Donc, lui, il filme comment? On est en train de remorquer la voiture. Et la remorque, ce n'est pas la remorque de la police. C'est la remorque de la gare routière. Parce qu'il faudrait que je précise des choses. Ça, c'est la remorque de la remorque qui se passe entre ses officiers et ses sous-officiers et le remorqueur pour perturber l'ordre public. Donc, je ne vois pas pourquoi des policiers vont démarcher avec un particulier pour arracher les voitures des gens aux abords de la voie publique. Donc, ils sont en train de remorquer ma voiture, ils la remorquent pour l'emmener à l'USI, à l'unité spéciale d'intervention. Arrivé là-bas,
mon frère doit rencontrer le capitaine Essono. Alors, le capitaine Essono sur le coup. Allô, Claire, tu m'entends? Oui, vas-y, je suis en train de prendre les notes. D'accord. Alors, sur le coup, le capitaine Essono lui dit, enfin, l'envoie balader. Oui, oui, toi, je te reprends après. Déjà, ils étaient tellement nombreux, les voitures qu'on arrêtait, et les commerçants également qu'on prenait avec la marchandise. Sur le coup, il refuse de parler avec mon frère. Bon, il m'appelle, je lui dis, bah, écoute, il faut lui donner 10 000, un truc du genre, parce que je pense que ça arrive à tout le monde d'avoir un problème avec la voiture. Tu t'arrêtes en bordure de route. Mais les papiers, ce n'était pas un souci. Mais c'est leur façon de faire, d'où mon frère a refusé de donner les papiers. Donc, sur le coup, le même jour, il refuse d'entendre et tout ça. Là, mon frère, bon, il dit, il n'y a pas de souci. Il rentre à la maison. Le lendemain, il part. Le capitaine Essono n'était pas à son poste. Il a attendu. Ils ne se sont pas vus. Il est retourné. Donc, parce qu'il fallait manger les dates. Donc, voilà comment 3 jours après, quand il part, il arrive à l'USI. Il voit le capitaine Essono. Et quand il voit le capitaine Essono, il dit plutôt au capitaine, enfin, la semaine qui a suivi. Donc, il se présente. Il dit, non, vous avez arrêté ma voiture la semaine dernière. Et tout, il monte la voiture et tout. Ah oui, mais pourquoi tu n'es pas venu le lendemain? Il dit, ah, mais je suis venu, je vous ai manqué. Et c'est comme ça qu'il dit à mon frère, oui, mais ça a dépassé des tours. On appelle ça comment ça fait? On était dans les 125 000. Pour le garderie, moi, le garderie. Parce qu'il dit, oui, et si ce n'est pas un garage, par jour, c'est 25 000. Donc, mon frère m'appelle, il m'explique, je lui dis, moi, je ne vois pas pourquoi on va lui donner 125 000. La voiture. Et en règle, on a tous les documents, on a la visite technique, on a tout. Carte d'inspecteur, je ne vois pas pourquoi. On va lui remettre 125 000. Dis-lui qu'on a même un 20 000 là et tout. Je pense qu'on voyait 10 000 pour compléter. Donc, mon frère négocie. Il dit, oh non, 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 ce n'est pas possible. Soit c'est ça, soit c'est rien. OK. Sachant que, bon, le monsieur, apparemment, il tenait vraiment mon véhicule. C'est après ce que mon frère m'a dit. Il ne voulait pas du tout descendre moins de 100 et quelques mille. Je ne savais pas quoi faire. Sur le coup, je rentre en contact avec un de mes oncles qui est retraité de la police. Il était colonel, voilà. Donc, je l'appelle, je l'explique la situation. Je lui dis, ah, mais moi, voilà ce qui se passe. On a arrêté ma voiture la semaine dernière. Et là, il y a Glenn qui est allé et tout. Voilà ce qui se passe, etc. Il dit, non, 125 000. Mon oncle me demande, donne-moi le nom du capitaine. Je donne le capitaine et Sonny me dit, bon, moi, je ne le connais pas. Mais il faut que tu me donnes quelques jours le temps de rentrer en contact avec lui. J'ai dit OK. Donc, ça a pris pratiquement deux semaines et quelques. Mon oncle m'appelle, il me donne le numéro. Il me dit non, c'est une dame. Je ne préfère pas citer son nom parce qu'elle a été gentille. Voilà. Donc, va, tu dis et tu vas donner juste 20 000. On a parlé avec lui. Donc, il n'y a pas de souci, tu donnes 20 000 et tout ça. Là. Et c'est comme ça que je dis à mon oncle, mais pourquoi je vais encore donner les 20 000? Il me dit non, c'est parce qu'il l'a dit. Donc, capitaine Nelson a dit, il faut qu'elle donne les 20 000 de la remorque. J'ai dit OK. Alors, nous sommes là pratiquement au 9 janvier. Voilà, donc, j'ai fait pratiquement 2 semaines. La semaine du début janvier, voilà, 9 janvier, la semaine du 9 janvier. Comme mon frère, qui était, enfin, parce que déjà, celui avec qui on a arrêté la voiture n'était pas sur Libreville lorsqu'on m'a demandé de passer prendre le véhicule. Donc, c'est son grand frère que j'ai demandé d'aller. Mais le capitaine a dit, ah oui, il faut que lui-même à qui on a interpellé la voiture doit être là et tout ça, tout ça. Donc, on a attendu que Glenn revienne de Port-Gentil et Glenn est parti à l'USI. Donc, en allant à l'USI, Claire, il constate que la voiture n'est pas stationnée dans l'USI. Il m'appelle, il me dit, ah, moi, là où j'ai déposé la voiture n'est pas là. J'ai dit, mais comment ça, la voiture n'est pas là? Il me dit, mais je te jure, la voiture n'est pas là. Malheureusement, je ne peux pas filmer parce qu'ils vont commencer à s'agiter. En raison de quoi? La voiture n'est pas là. J'étais tellement choquée. Je suis quittée de chez moi, je suis allée à l'usine. Effectivement, la voiture n'est pas garée là où.
Ton réseau de cornes. Ton réseau de cornes, ma belle, essaie de parler fort et ton réseau de cornes. Oh là là. On ne t'entend plus, on ne t'entend plus. Attends, je vais l'appeler, excusez-moi. On ne t'entend plus, on ne t'entend plus. Désolée. On ne t'entend plus. Je pense qu'elle ne sait pas que je n'entends plus. Elle continue à parler. J'essaie de l'appeler. C'est le réseau du Gabon. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Faites-moi signe si vous m'entendez, vous. Je pense que le réseau du Gabon. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ne t'entendait plus. On ne t'entendait plus. Est-ce que tu peux revenir à le réseau des connais? Parce qu'il pleut beaucoup. Ah, il pleut, hein? Alors, c'est. Je t'ai dit ça, il y a une grosse pluie. Ok, d'accord. Re-rentre alors. Rentre de nouveau. Non, c'est elle, c'est elle, c'est son téléphone. Et puis, apparemment, il pleut au Gabon en ce moment-là. Donc, moi, vous m'entendez. Donc, vous voyez que le problème vient de son côté. Et on va continuer à partager aussi le live, s'il vous plaît. Et puis, elle va revenir. Donc, là, j'attends qu'elle se reconnecte encore un peu. Donc, nous sommes au niveau où elle est en train d'expliquer que la voiture était portée disparue à Unis ou Unissi ou Unis. C'est là où la voiture avait été remorquée. Mais quelques jours plus tard, lorsque son frère va pour récupérer la voiture n'est plus présente. Donc, on va attendre qu'elle vienne continuer là où elle s'est arrêtée. À Port-Gentil, il pleut aussi. Ah, ben voilà, au Gabon, c'est la saison des pluies. Hein. C'est pluie, la pluie, la pluie. Hein. On va encore faire comme à Dieu nous aime. Junior dit, ou bien sûr même à Port-Gentil, ok, l'insécurité au Gabon en ce moment fait peur. Ah bah oui, et les pouvoirs publics encouragent cela. Tout ce qui les intéresse, c'est s'intéresser à les activités d'activistes. Oui, ma belle, si tu as un problème. Ah bon, comment ça j'ai bloqué? Merde, j'ai fait comment? Attends. Ouyou! Quand je t'ai enlevé là, j'ai mis bannir. Mais Seigneur, comment je peux enlever ça? Oh, j'ai mis rouge là, je n'ai pas fait attention. J'ai mis bannir du live. Je voulais faire enlever pour. Oh. Là, je ne sais plus comment. Est-ce que tu as une autre. Bon, tu vas parler par téléphone alors. Parce que là, à part si tu prends un autre profil, mais le profil a été banni, il faut que j'aille le débloquer. Je n'ai pas fait exprès, je voulais faire t'enlever du live pour que tu reviennes et j'ai fait bannir du live. Là, pour te débloquer, il faut que j'aille dans la page. Attends, oh, Seigneur Claire, attends, on va essayer. Attends, je vois, comment j'ai pu bloquer quelqu'un comme ça en plein direct? Seigneur Jésus, vous savez vos connexions en bracadi, bracada là. Aïe, aïe, aïe. Comment on fait pour aller réglage? Oh là là, comment je trouve les gens que j'ai bloqués? De blocage. C'est quoi le nom, s'il te plaît? Oui, attends. Moi, j'ai beaucoup les gens ici. Donc, attends d'abord. Oui, attends, je tourne. Je regarde toutes les personnes que je bloque là. Je vais te trouver où? Oh, Seigneur, Stan. Stan, c'était Stan, le chose là, non? Oui, Stan le responsable. Ok, attends, on descend. Je vais finir par trouver. Pourquoi? Je voulais faire enlever du live et j'ai fait carrément bloquer du live. Ah, Facebook aussi embrouille les gens avec tous les Français là, hein?
J'avais déjà bloqué un Stan ici, mais ce n'est pas toi, c'est Stan Charles. Seigneur Jésus. Désolée. Les gens disent que tu as un abonnement canal. Oh, maman, mieux un truc en attendant, cherche un autre profil. Parce que moi, je bloque beaucoup de gens et les marabouts et les gens. Donc là, ce n'est pas facile. Est-ce que tu as un autre profil? Là, tu me dis. Passe, est-ce que tu as un autre profil? Mais quelqu'un d'autre peut te prêter un profil là. En attendant, je regarde aussi en même temps. Je n'ai pas fait exprès, vraiment, mais dommage. C'est pas facile. Là, j'ai plus de 500 personnes bloquées, là, voire même 1000 personnes bloquées. Je vais te chercher comment? On ne peut même pas saisir le nom dessus. On ne peut même pas ajouter Stan. Attends, je vais saisir. Stan, comment? Responsable. Stan Mola. Ah non, moi j'ai fait ajouter. Non, je ne trouve pas. Ok. J'ai beaucoup de Stan le responsable. Bon, la photo, c'est un bâtiment. Maintenant, moi, je n'étais pas bloqué. C'est un bâtiment, il a le pantalon noir. Attends, j'essaie de te faire capture d'écran. Non, c'est pas bloqué. En fait, j'ai bloqué du live. Et du coup, là, je ne peux pas. Je n'ai pas bloqué du profil là. Du coup, il n'est pas bloqué. Il est bloqué de ce live là. Du live en question. Donc, du coup, je ne peux pas. Je ne vois pas comment on enlève. Je n'ai pas bloqué de la page. Je l'ai bloqué du live. Parce que je voulais faire te retirer du live. Et là, j'ai fait bannir du live. Donc, là, c'est pas là. Il n'est pas bloqué de la page. En fait, tu as encore accès à la page. Il n'est pas bloqué de la page, mais du live en question. Oh, suite. Il n'est pas bloqué, maman. Je viens de le trouver, il n'est pas bloqué. Il a la chemise rouge. Bon, continue là en parlant comme ça, ma maman, même si tu ne rentres pas. Pourquoi tu allais prendre la connexion de Bongo Bizarre, là? On va continuer alors comme ça, il n'y a pas de souci. Écoute, on va faire comme ça, je vais mettre le volume. Donc, tu m'écoutais plus. Alors, on s'est arrêté au niveau où quelques jours plus tard, ton frère s'est rendu à Unis pour récupérer la voiture. Et ensuite, sincèrement, tu n'as pas un autre profil à part le profil là. Parce que le profil là est banni du live. C'est pas qu'il n'est pas banni de la page, mais du live. Facebook a maintenant beaucoup d'options. On peut te bannir du live et te bannir de la plage. Et là, c'est seulement du live qu'il est banni. Donc, ça veut dire qu'il a mis avec moi. Et ça, sincèrement, je ne sais pas comment aller remettre. Surtout que je suis sur un logiciel là, je ne sais pas trop. Je n'ai pas envie de me casser la tête pour aller voir qui j'ai banni. Oui. Bah, écoute, je pense que comme ça, la connexion va passer. Hein. Bien. Comment? Je disais avec le téléphone comme ça. Ok, d'accord. Et puis, s'il te plaît, parle un peu fort. Hein. Je sais, tu dois être une femme douce là. Avec la belle voix, mais mets le gosier comme dit la pauvre ivoirienne. Donc, essaie de nous crier fort là, parce que là, tu parles doucement. On dirait qu'on était chambrita là. Donc, t'as un fort, vraiment, bon, voix. Mais donc, là, j'ai mis le téléphone. Donc, malheureusement, les amis, on va devoir écouter la sœur comme ça. Elle a déjà participé en visio. Donc, du coup, dans mon élan de pouvoir rétablir les choses, elle a été effacée. Donc, nous allons écouter la sœur qui va parler. Voilà. On t'écoute. Je disais que mon frère est allé à... Non, augmente le volume, pardon. Allô? Là, ça va? Non, crie encore. Ok, d'accord. Donc, je disais tantôt, mon frère est allé rencontrer le capitaine. Ah, tu as une petite voix de base, hein? Oui, en fait, pas trop grave. Ah, tu vois comment je parle? Putain, c'est ma manière de parler doucement, là, ça parle fort. Donc, imagine quand j'écris, c'est tonnerre. Donc, essaie d'augmenter juste un peu. Est-ce que vous l'entendez, s'il vous plaît, les gens? Dites-nous si vous l'entendez. Voilà, en fait, non, Kadir. Est-ce que vous entendez très bien la personne qui parle? Voilà, il demande le volume. Donc, volume, s'il te plaît. Allô, donc, ça va? Ils disent négatif. Donc, la voix est doucement. Parle fort. À quoi? Fais comme si tu étais en colère, on est en train de te frapper, tu es en train de bouder, la colère, mets la colère dans la voix. Allô, là ça va?
Oui, ça va, on ne peut pas forcer, elle a une petite voix. Tout le monde n'est pas Vandame comme moi. Oui, vas-y, sors. Donc, sur le coup, lorsque mon frère est parti, sachant que le véhicule n'était plus dans l'enceinte de l'usine, il a vu sœur capitaine et sono. Et ce dernier lui a dit, oh, donne-moi des coordonnées, je vais remonter à la hiérarchie. Il a vu le capitaine qui? Non, je ne vais pas couper le live et revenir. Non, non, là, je suis à lancer, là, elle va parler. Le capitaine Essono, d'accord? D'accord. Et donc, sur le coup, le capitaine Essono lui a dit qu'il allait remonter la, on appelle ça comme l'information, la hiérarchie, mais qu'il ne savait pas également où était le véhicule. Donc, sachant que ce dernier n'est jamais revenu vers mon frère, mais là, ça m'a envoyé des messages par rapport à une suite, enfin, par rapport au problème. J'ai décidé de porter plainte au niveau de l'inspection de police. Allô? Oui, oui, on t'écoute. D'accord. Lorsque j'ai porté plainte au niveau de l'inspection de police, c'est ce monsieur, on a contacté le capitaine Sino, qui est venu et qui a cité, lors de son interrogation, le lieutenant Diga Pater. D'accord. Donc, l'enquêteur m'appelle pour me dire que, bon, il a convoqué le capitaine. Déjà, la première convocation n'est pas venue, c'est venu la deuxième convocation. Et que ce dernier a cité un autre lieutenant. On attend. J'ai dit OK. Donc, lorsque le lieutenant en est capable d'y arriver, ils ont reconnu les faits. Stop là, stop là. Qui a reconnu les faits? Les deux, le lieutenant et le capitaine et Sono ont reconnu les faits. Ils ont dit qu'ils ont mal travaillé. Ça, ils ont reconnu les faits au moment, excuse-moi, comme je relève un peu les informations qui vont me permettre mon intervention, ils ont reconnu les faits après la plainte. Oui, ils ont reconnu les faits après la plainte. C'est-à-dire, lorsque j'ai porté plainte, on a convoqué le capitaine, il est venu, et ce dernier l'a cité, le lieutenant du Cap Arter. D'accord? Donc, quand il a cité le lieutenant du Cap Arter, lors de son interrogation du lieutenant du capitaine, ce dernier a reconnu les faits que les deux ont mal travaillé. Et à la suite de ça, l'enquêteur a fait une confrontation de nous trois, c'est-à-dire les deux et moi. D'accord. Voilà. Et qui vous a fait la confrontation, s'il te plaît? Parle un peu fort, même si tu es comment? D'accord, l'enquêteur m'a les deux à ma demande, parce que j'avais dit que je voulais les deux voir. Je voulais voir les deux. Je dois poser la question de savoir où était mon véhicule. Donc, l'enquêteur les a convoqués et pas convoqués. Donc, ça a été la première confrontation. Non, le volume n'est pas médiocre. C'est la personne qui n'a pas une grosse voix. Là, même avec la pluie là-bas, je ne sais pas comment elle parle là-bas. Elle parle doucement. Même quand elle parle avec moi au téléphone, c'est toujours doucement. Donc, elle n'a pas une grosse voix, c'est comme ça, c'est sa voix là. Même si vous, à part si vous pouvez, vous partez de mettre le tuyau dans la voix, c'est sa voix, on va forcer. Vas-y. Tous n'entendent pas toujours? Non, ils disent que le volume est bas, il a mon téléphone à fond, donc ça veut dire que c'est toi qui ne parles pas fort. Vas-y, parle, mais essaie de te rapprocher, mets vraiment le téléphone dans la bouche comme ça et tu parles fort. Ne mets pas le téléphone à l'oreille, mais à la bouche parce qu'il y a le haut-parleur. Je coupe et je rappelle tout de suite. Ok, d'accord. Coupe, rappel. Bon, ok. À la limite, si tu me regardes, essaie d'appeler par vidéo. Bon, écoute. Le problème, c'est que je ne peux plus refaire le live et revenir parce que c'est fatigant. Moi, ça me fatigue de couper et revenir. Tous les tracalas de direct, là, c'est ça là qu'on appelle le direct. C'est pour ça que ça s'appelle le direct. Donc, elle est au Gabon, elle a eu un problème de réseau et moi, en voulant enlever pour qu'elle revienne, j'ai tout simplement banni du live. Donc, et là, elle utilise le profil d'une autre personne parce qu'elle n'a plus Facebook. Son Facebook est bloqué. Donc, la personne Stan le responsable, j'ai bloqué Stan comme ça là, le pauvre. Donc, du coup, elle n'a pas de Facebook. Donc, du coup, j'ai bloqué quelqu'un même que je ne connais pas en faisant exprès. Donc, là, elle essaie d'appeler avec le téléphone, mais elle a une petite voix. Elle n'a pas une grosse voix. Elle n'a pas ma voix là. C'est pas tout le monde qui a la grosse voix là. Moi, j'ai Terminator dans le cou. Moi-même là, même quand je parle doucement, ça ressemble déjà à la bagarre. Donc, elle n'a pas une grosse voix. Mais on va essayer de voir. Donc là, présentement, elle est au niveau où Monsieur Essono et Dika reconnaissent
avoir volé. Elle est l'emploi des petits mots qu'on reconnaît avoir mal travaillé. Mais à mon niveau, quand je vais parler, ça va arriver. Donc, c'est pas encore au moment où elle a terminé le live. Partagez le live, s'il vous plaît. On va continuer. Je sais pas où. Elle va rappeler. Moi, pour le moment, je vais venir argumenter là, prendre un peu des choses et essayer de faire sortir un peu la dangerosité de ce qu'elle est en train d'expliquer. Là, peut-être pour vous, on entend dire, ah, c'est rien, ça, c'est donc, c'est ça là le problème. Mais non, c'est plus grave encore parce que beaucoup d'entre vous, le peuple gabonais, les citoyens gabonais, ont fait confiance à la police. On se dit que les policiers sont des nôtres. Quand je parle des nôtres, c'est des personnes qui ont prêté serment pour protéger et les biens et la population et la nation. Mais aujourd'hui, combien de Gabonais vivent? Combien de Gabonais vivent le racket manque, comment on peut appeler ça, des policiers? Combien de Gabonais vivent l'injustice des policiers? Pourquoi les marabouts, vous êtes comme ça? Pourquoi vous ne vous calmez pas un peu? Combien de Gabonais vivent autant pour moi? Elle écrit, tu me dis quoi? J'appelle de mon autre téléphone. Ok, va prendre alors le téléphone qui a le réseau, qui a la connexion. Voilà. Combien de Gabonais sont victimes de l'abus de pouvoir? Voilà. Ajoute-moi où? Où? Oh! Hey, mon Dieu Seigneur. Attendez, je vais... Eva, c'est moi qui vais changer le téléphone. Amène-moi le téléphone là, s'il te plaît. Amène-moi le téléphone que tu envoies et quitter un peu de iPhone. Oui, attends, je vais te quitter iPhone là. Peut-être c'est iPhone qui est un peu le volume. On va essayer de prendre la grosse batterie de la Chine là. Amène-moi la grosse batterie. Attends, je vais t'appeler. Donne-moi ça, s'il te plaît. Attends, je vais t'appeler par l'autre téléphone. On va quitter de iPhone. Oui, le raquettement, moi c'est comme ça, moi j'ai créé mon français, j'ai créé mon dictionnaire. Le raquettement de ça. Donc beaucoup de Gabonais sont victimes de raquettes au Gabon, de la part des forces de l'ordre, de la part de nos autorités, de la part des personnes qui sont censées nous protéger. Mais après, je vais vous prendre ma petite expérience plus tard, je vais même raconter. Ah, oui, le téléphone est là, excuse-moi ma fille. Attendez, on va essayer de l'appeler avec ce téléphone-ci. Alors, je t'appelle avec ce téléphone-ci. On va voir un peu ce que ça donne. Peut-être ici, il y a le volume. Donc, j'espère que tu es à côté pour décrocher. Hein? Comment on fait pour faire un nouvel appel? Hein? On fait comment? J'ai maintenant oublié comment on appelle les gens. Toi aussi, tu es un peu villageoise. Hein? Ok, donc on fait nouveau contact. Pour d'abord enregistrer, on va juste la mettre comme ça, live. Elle appelle. Non, ça ne sert à rien d'appeler. Laisse-moi t'appeler, s'il te plaît. Laisse-moi t'appeler parce que tu vas encore nous faire palabre, là. Laisse-moi t'appeler. Je vais juste ajouter ton numéro de téléphone. On va essayer ici, plus 241. Excusez-nous encore. C'est ça qu'on appelle les aléas du live. Mais continuez à partager. Nous sommes en famille, s'il vous plaît. Et puis, on va continuer. 9, 4. Désolé pour le désagrément. Mais c'est comme ça, on fait avec. Tout le monde n'est pas habitué avec les réseaux, là. OK. Non. 74. Bon, écoute, elle appelle, elle insiste. Si on va leur appeler. Allô? Oui? Ah, mais c'est toujours bas. Je t'entends brut. Bon, vas-y, on t'écoute. Bah oui, moi j'ai bon, mais sincèrement, on sait que tu es belle, tu es jolie, tu as une belle voix, mais il n'y a pas possibilité, non, tu vois, quand tu es en colère, tu ne sais pas t'énerver, il n'y a pas possibilité, non, comme tu. Non, là, vous êtes en crier alors. Mais oui, tu parles doucement, et pourtant on t'entend bien, mais là, même tu reviens encore, la voix est toujours pareille. Bon, voilà, donc, vas-y, parle fort maintenant. Les trois, c'est-à-dire capitaine et Sono, lieutenant du cap à terre, l'enquêteur et moi. À la suite de ça, ils ont reconnu les faits. Ils ont mal travaillé. Maintenant, je leur ai dit que où est la voiture, où on ne sait pas où est la voiture, etc.
Nous sommes 500 agents affectés au niveau de l'usine. Je leur ai dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Là, ça va me faire la voix, en tout cas. J'ai dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un véhicule qui ne vous appartient pas sorte du camp de l'usine. Et j'ai les clés et les documents. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi je pointe le capitaine et son nom? C'est parce que c'est lui qui a interpellé ce jour mon véhicule. C'est son opération. D'accord? Il était sur le terrain. Voilà. Et ils étaient à deux. Donc, il y avait l'adjoint et lui. Quand je dis adjoint, c'était dans leur opération frauduleuse. Donc, maintenant, ce jour, Claire Dumanou, ne nous sommes pas entendus. Ils m'ont proposé un véhicule en échange. Je leur ai dit... Stop! Je pose des questions pour essayer de voir un peu. Donc, après ça, ils t'ont proposé un véhicule comme échange. En échange. OK. Proposition d'une nouvelle voiture en échange de ta voiture qu'ils ont interpellée la dernière fois. Voilà. OK. J'ai refusé. Et j'ai refusé parce que je me suis dit, ce n'est pas des personnes à qui je peux faire confiance. Déjà, vous avez perdu ma voiture, vous allez m'emmener un véhicule, je ne sais pas d'où il sort. Je ne connais pas qui est le propriétaire. Vous n'avez pas de parking automobile pour dire que vous vendez des véhicules. Vous n'êtes pas des concessionnaires, donc je ne peux pas prendre un véhicule de façon pas d'où il vient réellement. Donc j'ai refusé cette proposition. Ils m'ont demandé quelle est la proposition que je voulais. Je leur ai dit, j'accepte d'aller moi-même chez un concessionnaire, vérifier avec mon mécanicien l'état de la voiture et je vous appelle pour venir régler. Ça oui, mais dire que j'attends un véhicule de vous, je ne veux pas. Cas contraire, me rendrai mon argent parce que j'ai acheté cette voiture à hauteur de 4 500 000. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas l'argent pour le remboursement. D'accord? Donc, ce jour, déjà, nous ne nous sommes pas entendus. Et, comment on a dit, radical dans mes décisions. Parce que j'estime que c'est ma voiture. Vous m'avez fait disparaître la voiture, il n'y a pas de problème. Vous avez volé, c'est comme ça qu'on dit. Vous avez volé la véhicule, il n'y a pas de souci. Mais vous ne pouvez pas me poser un véhicule venant de vous. Je suis désolée. Vous ne prenez pas. Voilà. Donc, je leur ai dit, pour avoir plus de sécurité, je préfère, moi, aller chercher un véhicule ou me rendre les 4 500. Ils m'ont dit, ils vont réfléchir. On ne s'est pas bien entendu, on ne s'est pas très bien séparés, ils sont partis. J'ai continué à appeler mon enquêteur qui ne me donnait pas de suite parce que apparemment les gars ne donnaient pas de suite et donc je les ai menacés. Et à un moment donné, mon enquêteur ne répondait pas. Je répète, c'est mon premier enquêteur. Le deuxième, donc, je suis partie là-bas, je me suis plainte et des personnes bien gentilles, d'accord, m'ont demandé de refaire une plainte. C'est la plainte là que tu as faite en haut là. Voilà. Non, non, ça, là c'est le commande. Voilà. Donc j'ai refait encore une autre. Donc c'est dans cette plainte, je suis repartie vers leur responsable. Ils appellent ça le régime. En tout cas, ils ont des termes militaires. En tout cas, c'est voilà, leur chef là-bas. Je suis partie, j'ai revu le monsieur, lui disant que mon affaire n'a pas de suite. Et là, nous sommes au bout de combien de temps? 2 mois. Ah oui? Non, un mois après notre rencontre, 1 mois, ils n'ont pas réalisé. Donc, oh, là, on est terminé à 2e mois maintenant. Voilà. Donc, ce dernier a été gentil. Il m'a orienté vers un autre. Il m'a donné. Oui, on m'appelle toujours là, on m'appelle encore. Ah, d'accord. Donc, il m'a donné vers. Il m'a orienté vers un deuxième enquêteur. Voilà. Donc, le deuxième enquêteur les a convoqués. Les deux, Essono est venu, Ika n'est pas venu. Et quand Essono est arrivé, il a commencé à me dire oh, 4 millions 5, la voiture a roulé, tout ça. Là, moi, j'ai dit non, moi, j'ai rien à faire. D'accord, c'est ma voiture, je ne voudrais pas envoyer voler ma voiture. Je ne sais pas ce que vous avez fait de mon véhicule. Moi, ce que je veux soit mon argent ou bien, comme j'ai dit, je cherche un véhicule ou payer directement chez le concessionnaire et c'est tout. Mais tout ce qui est véhicule qui revient de vous, je ne veux pas. Tu as bien fait. Nous sommes entendus devant le deuxième enquêteur. Ils m'ont demandé devant le deuxième enquêteur de chercher un concessionnaire. Dans mes recherches avec le mécanicien, j'ai trouvé un véhicule propre à la hauteur de 3 800 000. D'accord?
On les a convoqués, nous sommes allés sur place, chez le concessionnaire. Là-bas, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. J'ai payé un peu. Parce que j'ai l'impression qu'ils me prennent pour leurs chaussettes. Mm-hmm. Donc là-bas, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. On n'a pas d'argent, etc., etc., etc. Et les modalités de paiement qu'ils ont proposées au concessionnaire ne l'arrangeaient pas le monsieur. Mm-hmm. Parce que vous n'avez pas proposé, il y a un véhicule qui est là. Vous n'avez pas proposé de payer 150 000 par mois, c'est ça. C'est un truc de malade. Il y a un problème, c'est pas normal. Mm-hmm. Donc, ce dernier m'a dit non, moi, voilà ce qu'ils m'ont proposé, des échéanciers qui m'ont dit donner, moi ne m'arrange pas. Donc, c'est pas bon la voiture, moi je garde ma voiture, j'ai pété les câbles. Et c'est comme il y avait la pression, ils ont signé une reconnaissance de dette, 3,5 millions. Et mais ils ont signé la reconnaissance de dette là, quand? Ils ont signé la reconnaissance de dette. Je vais fouiller, je vais vous donner le. D'accord. Problème. Mais c'était 2 mois plus tard, hein, c'est ça? Pratiquement 3 mois. Ok, 3 mois. Ok. En novembre, on va dire, pas octobre, depuis novembre. Ok. Oui, en novembre. En novembre, ils ont signé. Voilà. Donc, quand ils ont signé la reconnaissance des dettes, Claire Newman, je n'étais pas d'accord et je n'ai jamais été d'accord. Parce que ma voiture, je l'ai payée cash. J'ai des témoins à la hauteur de 4,5 millions. Je ne l'ai jamais payé à 3,5 millions. Mm-hmm. Et la vérité, on a dit, s'ils ont vendu ma voiture, c'est parce qu'elle était en bon état. Il y a des voitures dont les pneus même sont fatigués, qui sont dans le camp de l'usine, qui ne sont pas vendues. Des épaves. Mais la voiture, le moteur était bien, les boîtes de vitesse, tout était nickel. Et la voiture qu'on rappelait a commencé à rouler en janvier 2022. Mai 2022, elle est volée. Donc, sur le coup, je n'ai jamais été d'accord. Ils ont quand même signé la reconnaissance du net. Mais, donc, on est là à ce niveau. Mais, sachant qu'ils m'ont fait balader, traîner et traîner, j'ai décidé de porter plainte encore directement chez le commandant en chef. Troisième plainte. Ce dernier sont au courant de cette affaire. Donc, ça fait 3 plaintes. Voilà, ça fait 3 plaintes. Parce que les fois où on s'est toujours arrangé avec eux, ils nous ont mené dans du macro. Avec le deuxième enquêteur, ils avaient qu'à chercher la voiture à payer. Arrivé chez le concessionnaire, on n'a pas d'argent. Ce n'est pas sérieux. Mm-hmm. Moi, j'ai pris les deux banques. Je préfère déjà, en cas de, aller chez le commandant chef. Donc, c'est ça. OK. Bon, tu as fini? Oui, j'ai terminé. OK, d'accord. Après, s'il y a des questions, à un moment donné que je te poserai, tu pourras venir, tu es là, tu restes là si tu veux. Voilà. Maintenant, si tu es dans le live, que tu regardes le live là-bas, tu peux diminuer le volume. Et puis, voilà. Bon, là, moi, je vais essayer de parler un peu. Bon. Voilà. J'ai essayé de prendre quelques notes, les amis. Cette histoire va nous rappeler, va nous ramener au rapport que nous, le peuple gabonais, que nous, les citoyens gabonais, nous pourrions avoir développé avec les autorités. Je pense que la sœur à côté, j'ai essayé de raconter la sœur l'aventure que j'ai eue en 2012, lorsque je pars au Gabon. Les forces de l'ordre au Gabon ont tendance à se prendre pour des rois, même des rois ont rendu compte. Les forces de l'ordre au Gabon ont tendance à se comporter comme s'ils étaient au-dessus de la loi. Après eux, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'après Ali Bongo, c'est les forces de l'ordre. Le peuple n'a pas de mots. Je vous prends l'exemple avant de venir un peu parler de la situation de la sœur. Je pars en 2012 au Gabon. Ma fille Eva n'avait que 9 mois. Je pars avec mon enfant. Quand je pars, mon père avait, je pense, 2 voitures. Je roule une des voitures de mon père, une Suzuki, un truc comme ça. Il me donne la voiture pendant tout mon séjour. Donc, je roule sa voiture et je me rends à la gare routière. Je me rends en ville au Mont-Bouet pour faire les courses. Viens écouter le live à côté, s'il te plaît. Voilà. Je me rends à Mont-Bouet pour faire les courses. Et je roule, je prends par partie Petit Paris. Vous voyez le stade là. Après le stade,
on rentre comme si tu veux partir au marché par Petit Paris. Et à côté, il y a une sortie, il y a des parkings parce que Petit Paris, il n'y a jamais de parking. Mais après le stade, on vient tout droit. Il y a une sortie là, là où les femmes vendent les oignons et tout. Je prenais la sortie là. Et devant, il y a le rond-point qui fait en sorte qu'on part à Montboit plus haut là-bas. Et il y avait les policiers devant. Par comment ils ont vu ma Suzuki, par comment ils m'ont interpellé, je ne sais pas. En tout cas, ils ont le flair. Je vois un qui crie, ça dit qu'il est loin là-bas. Il me crie, ils sont en train de mettre le clignotant. Il court, il vient en courant. Pam, 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 pam. Je suis dans la voiture avec ma fille qui n'avait à l'époque que 9 mois et ma cousine mignonne. On est dans la voiture. Et il vient, il m'arrête au milieu de la route comme ça. Ça dit qu'on pouvait faire l'accident. Tiens, déjà, ceux qui connaissent bien Libreville, vous savez que à Petit Paris, il n'y a pas de place pour garer, il y a des bus qui arrivent, mais tu m'arrêtes au milieu de la route. Plouc. Et comme moi, vous voyez mon comportement, moi, j'aime pas les trucs, je connais un peu les policiers. Et donc, du coup, je dis, ah, il y a au milieu de la route, donc j'essaie d'avancer pour garer. Il vient, il me barre la route que je n'avance plus. Je m'arrête, je dis, mais nous sommes au milieu de la route, je ne peux pas garer là-bas. Coupez, 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 coupez la moteur, coupez la moteur. Il commence à me crier dessus comme ça. Et moi, on ne me crie pas vraiment dessus comme ça, hein. C'est soit je me mets à taper le câble, soit je montre vraiment que je suis impoli. Il me crie dessus avec la femme. Coupez, 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 coupez le moteur. Je dis que monsieur, il y a un problème. Vous venez de brûler le sang giratoire. Pardon? Je viens de brûler, vous venez de brûler le sang giratoire. Et là, je fais un petit sourire. Je fais comme... Sans se dire. Je dis, moi, je ne sais pas si l'interpellation du permis en France est le même au Gabon. Mais est-ce que vous pouvez me montrer où je suis à Petit Paris là? Où est le sang giratoire? Parce que le sang giratoire que j'ai appris en France, à Paris là, à Petit Paris là, je ne le vois pas. Est-ce que serait-il possible? C'est-à-dire que je lui demande, hein, est-ce que serait-il possible que vous me montrez le sang giratoire? Il pète un câble. Vous voulez me montrer comment je fais mon travail? Hé, 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 papa, tu viens de me dire que j'ai brûlé le sang giratoire. Le sang giratoire que j'ai connu dans mon permis que j'ai fait en Europe, ce n'est pas le même. Peut-être qu'au Gabon, vous avez une autre interpellation du permis. Donc, monsieur, peut-être que je me suis trompé que le permis gabonais, il n'est pas, les routes au Gabon ne sont pas pareilles que les routes françaises. Donc, est-ce que vous pouvez me dire qui est, où est le sens? Elle est là, voilà, je viens te voir. Où est le, tu vois, tu as dit quoi? Tu n'étais pas banni du live, tu es banni de, voilà, où est le sens giratoire? Et là, comme il y avait trois, il y avait une dame et deux messieurs. Et là, il y a une dame qui vient à la rescousse. Elle vient là-bas pour beaucoup. Ah, c'est une pute là, c'est une pute à blanc. Je dis, madame, vous ne me parlez pas comme ça, vous ne me connaissez pas. Comme vous voyez là, là déjà, il y a déjà deux infractions. Ils m'arrêtent sans raison. Ils me disent que je viens de brûler quelque chose dont je ne reconnais pas. Je ne vois pas où se trouve le sens giratoire en pleine Petit Paris alors que je prends la gauche pour aller garer ceux qui connaissent bien Petit Paris quand on revient du stade là-bas. Je prends après la station, je prends la gauche pour aller garer parce qu'il y a les parkings derrière. Après, on peut marcher là où les femmes vendent les comment on appelle, les oignons et tout ça. Donc, moi, je prends la gauche pour aller garer. Je ne savais pas que la sortie à gauche là s'appelle au Gabon sens giratoire. Donc, moi, je mets le policier en face que non, monsieur, peut-être que l'interprétation du permis gabonais n'est pas le même. Donc, est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve le sang giratoire que je suis en train de brûler? Donc, en lui faisant, peut-être que lui, il était tellement bête qu'il m'a peut-être que j'ai acheté mon permis, en lui faisant savoir qu'il est idiot, en lui faisant rappeler que il est bête, là, il s'énerve. Il me dit carrément que je suis en train de faire quoi, un refus de tempérer, quoi, je m'en fous. Et là, sa compatriote femme, sa collègue femme, vient avec les insultes, m'insulte de bordel, de femme à blanc, bordel. Et là, je dis, non, madame, vous n'avez pas le droit de m'insulter, je ne vous ai rien fait. Et dans ma voiture, il y a ma fille de 9 mois, puisqu'on part au marché avec les courses, et ma petite sœur, c'est-à-dire que ma cousine, dans la voiture. Et les deux personnes commencent déjà à m'attaquer. Et moi aussi, vous me connaissez, j'ai la grande gueule. Je dis que non seulement vous devez me montrer où est l'erreur, ma faute du sang giratoire, deuxièmement, vous n'avez pas le droit de m'insulter, parce que si moi je vous insulte et je vous porte main, vous allez me mettre en prison. C'est comme ça le troisième arrive. Parce qu'ils voient que devant eux, ils ont une personne qui ne se laisse pas faire. Le troisième arrive, il cogne la voiture. Ouvre la portière, ouvre la portière. Moi aussi, comme j'avais seulement baissé la vitre, ouvre la portière. J'ai dit que pourquoi je vais ouvrir la portière? On veut tes papiers. J'ai dit que pour quel intérêt? Montrez-nous si vous avez les permis. Parce que si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le sang giratoire, c'est que vous n'avez pas un permis. Je vous raconte mon histoire, je n'invente rien. Ce que vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas le sang giratoire, c'est que vous n'avez pas de permis. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Je fais sortir mon permis international, européen.
Quand je demande mon gros permis international, le monsieur dit que voilà, vous êtes en infraction. Voici une deuxième infraction. En une seconde de fraction, les gens là viennent me donner. Deuxième infraction. Je dis que, ah bon, pourquoi? Vous n'avez pas le droit de rouler avec le permis international au Gabon. Vous devez avoir un permis gabonais. Moi, je pose la question au troisième Colombo qui vient d'arriver. Donc, le Gabon n'est pas dans l'international. Je repose la question. Je dis que donc, le Gabon n'est pas... Nous sommes en 2012. Le Gabon n'est pas dans l'international. Ah, madame, quand on vous parle, vous devez écouter. D'abord, descendez. Nous allons amener votre... Nous allons embarquer votre voiture. Vous allez prendre votre voiture. Au puits, je vous dis que... Je te dis que c'est là où moi, je commence à m'énerver. Je dis que, allez-y. Je dis que je quitterai d'ici que sous l'ordre d'un mandat policier. Amenez-moi où vous voulez. Je donne la voiture avec l'enfant. Ma petite soeur commence à paniquer. Eva commence à pleurer. Il me bloque la voiture. Le premier s'assied devant la voiture que je ne pousse pas. Je ne roule plus. Vous savez qu'à Petit Paris, là, les gens, quand ils voient les policiers, ils viennent regarder. Et moi aussi, je n'avais à l'époque 2012. J'avais 32 ans. Donc, j'étais encore mince comme ça. Je dis que, monsieur, je ne quitte pas d'ici. Vous ne prenez pas mes papiers. Et si vous voulez me dire, d'abord, on va revoquer votre voiture. Vous irez récupérer votre voiture. Au cul, j'ai dit que, oh, foutez-moi le camp. Quand vous m'entendez là. Oui, vous venez de manquer de respect à la force de l'ordre. J'ai dit que, manquer de respect, même dans ces petits. J'ai dit que, monsieur, mais courez, va. Faut venir, vous allez m'attraper avec Caterpillar. Donc, on est resté maintenant là. Du coup, la femme qui m'a incité de bordel là, elle est retournée, elle est arrêtée d'autres personnes au coin. Elle est retournée. Du coup, je suis restée maintenant avec les deux hommes. Elle maintenant voulait faire de bons policiers et mauvais policiers. Voilà l'homme qui dit, bon, on est là depuis 30 minutes, hein, on est assis. Et ils me regardent, ils sont en train de chamailler. Moi, je ne parle plus rien, j'ai mis ma musique. Je suis assis, j'attends qu'ils viennent remorquer ma voiture pour m'amener parce que non seulement j'ai brûlé un sang juratoire qui n'existe pas. Deux, on m'a incité de bordel femme à blanc parce qu'ils ont vu une métisse dans la voiture. Trois, on vient de me dire que le permis international n'avait pas lieu d'être au Gabon. Et puis, on me demande de mener la voiture au commissariat. Je viens récupérer là-bas au tribunal lundi. Je dis que, mais dans ce cas-là, hein, allez-y appeler le juge et les policiers et les caterpillars. Venez m'enlever dans la voiture avec mon enfant. La pauvre voiture de mon père. Vous pensez que je vais vous donner ça comme ça? C'est comme ça, je suis assise là. On était maintenant assis. J'écoutais. Oh, fermez la voiture. Et arrêtez la musique quand on vous parle. Arrêtez la musique, madame. Arrêtez. Je marche au chingon. Même au chingon que je marchais, ça les énervait. Donc, tout ce que je faisais, ça les énervait. Parce que eux, c'est le pouvoir. Ils aiment dominer. Ils aiment dominer. Quand ils voient devant eux quelqu'un qui ne se laisse pas faire, ça les énerve tellement. La plupart sont bêtes. La plupart n'ont pas été recrutés. Ils ne connaissent même pas le code je ne sais pas. La plupart sont des idiots. La plupart des policiers sont des idiots. Ce sont des tarés. Donc, moi, je suis là, je suis en train d'attendre. C'est comme ça, maintenant, la femme qui vient de m'insulter, de bordel à blanc, elle revient. Quand elle revient, elle commence à parler, genre enfant. Et comme elle a entendu mon accent, là, tout le monde, tout le monde va savoir que je suis fan, un peu ça tend vers le Cameroun. Du coup, elle me dit, encore le fan avec la tête de mule. Je dis que, il y a quel rapport? On en connaît la vie. Là, on rentre maintenant enfant. Les femmes connaissent. Maintenant, ça n'a pas d'importance. Où vous me voyez là, est-ce que vous faites les courses pour mon enfant et je dois rentrer? Soit vous m'amenez au tribunal, soit vous me libérez. Oh, vraiment, j'ai la bouche. Je dis que madame, soit vous m'amenez au tribunal, soit vous me portez plainte, soit vous me condamnez. Mais là, vous me perdez mon temps pour rien. C'est là où elle commence à me parler en langue. À quoi elle commence à dire, on en connaît la vie. Maintenant, ça n'a pas d'importance. Je suis une bapounou. Et ta façon de parler là, c'est, on dirait que tu es femme. Madame, je ne suis pas femme. Je suis une bapounou. Tu veux quoi? Oh là, tu vois où tu nous vois là, c'est pas ça. Non? Vraiment, je reconnais que j'étais manqué de respect, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Maintenant, quelque chose, c'est quoi? Donc, tu glisses dans l'enveloppe. Tu vois là, tu qui mets là, tu glisses quelque chose là, comme si je voulais prendre les papiers, ou vous revends même à 10 000 VLM, quelque chose dedans. J'ai écrit que ma soeur, je ne vous donne rien du tout. Je ne donne ni aujourd'hui, ni demain. Je ne donne rien à personne. Je ne vous dois rien, et puis je ne donne rien. Amenez-moi en prison. Soit vous me libérez, soit vous m'amenez en prison, mais je ne vous donne rien. Je dis ça, il dit, je ne vous donne rien. On est resté encore là 10 minutes. J'ai commencé à voir le premier, à commencer à se décaler, à aller retrouver maintenant la femme. Et puis le deuxième qui m'a arrêté, qui a suivi, commence à me la taper. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, décale, libère d'ici. Maintenant, on a fait plus d'une heure debout là, sous le soleil, à me dire que j'ai brûlé giratoire à Petit Paris. Le permis international n'a pas le droit d'être là. Que je suis une connasse qui vient rouler au Gabon avec un permis international.
et que si je veux récupérer la voiture et si je veux avoir le droit de rouler avec mon permis international au Gabon, je dois aller récupérer la voiture au QG ou au tribunal lundi ou quoi que ce soit, des pétards de merdis qui m'avaient raconté. Et j'ai dit que monsieur, sauf que là, vous me voyez là, je m'appelle Cabrimor. Vous allez m'enlever ici qu'avec Caterpillar ou bien une injonction de la justice pour m'enlever où je suis là. Et comme ils ont vu que devant eux, ils n'avaient pas une illettrée, une idiote, une personne qui se laisse faire, ils ont commencé à baisser le ton d'un pas. L'autre qui m'a incité, bordel, il y a quelques instants, vient encore me demander 10 000. Et plus tard, l'autre commence à dire, libère, libère, allez, libère, libère. Allez, 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 tu fais écran, il y a l'embouteillage, libère, libère. Comme ça, je prends ma voiture, je vais garer à Petit Paris, plus bas là où il y a où on vend les oignons là-bas. Je trouve une place là-bas et je remonte maintenant à pied et je les crois toujours là au carrefour. Là, je dis que voilà moi maintenant. Donc, je sais de quoi ces personnes sont capables. Si j'étais comme des gens qui n'ont peut-être pas la force de tenir face aux autorités qui ne connaissent pas leurs droits, je devais aussi donner mon permis, donner mes papiers et donner les clés de la voiture, la pauvre voiture de mon père. Et ça devait se retrouver, je ne sais pas quel camp. Et puis, je ne vais pas avoir la voiture aujourd'hui. Voici l'exemple que je vais vous montrer que le peuple gabonais n'est pas en sécurité avec ces personnes-là. Alors, revenons au problème qui nous concerne aujourd'hui. Donc, ici, vous voyez que moi-même, là, j'ai été déjà victime. Et cette histoire, je peux vous raconter ça 100 000 fois parce que j'ai été victime de cette histoire. Nous avons l'affaire de notre sœur que nous allons appeler Stan, le responsable. Ce n'est pas bien sûr elle, mais puisque c'est le profil qui est là. Elle fait du clando. C'est une jeune femme gabonaise. Elle a acheté sa voiture. Je vous ai montré les papiers avec assurance et tout, tout, tout. Elle a l'acte de vente, voici ici. Donc, elle achète sa voiture pour faire le clando. Après, on va dire que les jeunes femmes gabonaises, les Gabonais, les jeunes Gabonais n'entreprennent pas. Elle met sa voiture en travail. Donc, elle commence à gagner son argent avec le clando. Donc, elle a un chauffeur. Donc, le chauffeur a eu des besoins, a eu un problème de famille. Et la voiture ne devait pas être au garage sans rouler. Parce que vous savez, les gens qui ont des voitures, là, une voiture, c'est de l'argent. Une voiture te rapporte, je ne sais pas, les clandos te rapportent à peu près minimum 25 000 francs par jour. Voilà. Minimum 25 000 francs par jour. Donc, du coup, pour ne pas laisser la voiture comme ça, elle demande à son frère que comme le chauffeur n'est pas là présent, est-ce que tu peux rouler la voiture en attendant? Le frère dit oui. Donc, le frère commence à rouler la voiture, mais il se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose, il était au garage. En allant au garage, le gars, elle dit que non, il y a la fuite d'huile qu'on peut voir ici dans le truc. Donc, le frère va garer pour attendre le réparateur, comme on appelle ça, attendre le garagiste, l'atelier, ou bon bref, vous connaissez là. Son garagiste devait arriver. Mais en attendant, les amis, j'ai envie de me lever même pour expliquer ça, parce que ce genre de problème-là, parfois, il faut se lever. Mais en attendant, le frère va se dire, je vais d'abord regarder parce qu'on ne sait jamais, peut-être que le garagiste l'a donné un diagnostic qui n'est pas vrai. Je vais vraiment regarder si c'est vraiment urgent. C'est comme ça, le frère, il garde bien la voiture. Il prend la peine de garer la voiture à côté. Mais bien sûr, en campagne, ils sont en campagne. Et il va regarder lui-même s'il y a vraiment fuite d'huile, comme vous voyez en bas là, qu'il y a des fuites d'huile. Voilà, donc il regarde. Nous tous là, on a ce réflexe-là. Le garagiste, voilà. Nous tous là, nous avons ce réflexe-là. Moi, par exemple, moi qui ne suis pas mécanicienne, là, quand ma voiture ne démarre pas ici, ça fait choco, choco, choco. Je ne sais pas par quelle force, moi, j'ai le courage d'aller ouvrir le capot, comme si quand je vais ouvrir le capot comme ça, la voiture va me dire que c'est moi le problème. Mais tout le monde a ce réflexe-là, c'est-à-dire que tu vas ouvrir ta voiture, c'est ta voiture, bon sang. Tu as le droit de faire de ta voiture ce que tu veux. Donc, le frère, il va regarder en bas pour voir s'il y a vraiment, il y a fuite. Et quand il regarde, c'est là où les deux mafieux arrivent. Interpellation. Déjà, première chose que je vais relever ici, au policier. D'abord, le monsieur n'était pas en infraction. D'accord? Il était garé, certes, au bord de route, parce qu'au Gabon, il n'y a pas de parking partout. Comme ici, je peux me garer au bord de la route. Sauf si vous avez vu que la personne était en danger. Je me rappelle, moi, lorsque j'ai eu l'accident ici en Alsace, à Moselle, la police de tout s'était arrêté pour venir me demander si j'avais besoin d'aide. Et c'est même la police qui m'a assisté, qui m'a encadré jusqu'à ce que ma remorque vienne me chercher. Mais ça, c'est pas au Gabon. Alors, vous voyez qu'un citoyen est en difficulté. Vous, ce qui vous intéresse, c'est prendre sa voiture au lieu de venir en aide le particulier qui était vraiment en danger, qui était vraiment en, comment on appelle, qui avait besoin de votre secours. Donc ici,
Qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne n'est pas en danger, il n'est pas en infraction, il n'a pas brûlé le code de la route, il a tous ses papiers, il ne vous a rien fait, il n'était pas en train de rouler, il n'était pas en excès de vitesse, il n'était pas en train de faire quoi? Il était devant sa voiture, ce qui lui manquait peut-être c'est porter le gilet jaune pour dire que je suis en panne. Mais il était devant sa voiture en train d'entendre, c'est-à-dire que la voiture était mobile et la voiture attendait tout simplement un garagiste, un réparateur qui devrait venir confirmer la panne. Donc, vous voyez tous ces éléments, vous venez quand même, vous arrêtez la personne, le chauffeur qui est avec vous, qui vous certifie que je ne suis pas le garagiste, mais je suis descendu voir la voiture pour voir si réellement il y a fuite d'eau, il y a fuite d'huile. Et vous-même, vous pouvez le constater qu'il y a fuite. Mais ça, vous vous en foutez. Parce que pour vous, vous devez faire votre trafic. Sachez que cette dame n'est pas le premier cas. Il y a beaucoup de personnes, mais comme ces personnes, comme toujours, veulent jouer à la victime privée qui ne se dénonce pas, c'est que ces policiers ont l'habitude de trafiquer, de faire le trafic de beaucoup de voitures. Mais j'en reviendrai vers la fin si Dieu me donne encore la capacité de retenir ce que je viens de dire là. Donc, déjà là, c'est déjà une première infraction en tant que policier. Sur quelle base vous vous êtes arrêté? Sur quel mobile vous vous êtes arrêté? Sur quelle infraction vous vous êtes arrêté pour saisir cette voiture? C'est d'abord la première question que vous devez répondre. Sur quelle infraction vous avez saisi la voiture? Est-ce parce que la voiture était garée au bord de la route, c'est-à-dire hors d'état de nuire, hors de danger public? Est-ce que parce que la voiture avait un souci, donc on attendait le garagisme? Est-ce que parce que le propriétaire de la voiture était le frère? Est-ce que parce que la voiture n'avait pas de papier? Quel était l'objet de l'arrestation, de la saisie de la voiture? Première question. Première question. Sur quelle base, monsieur Essono, puisque c'est toi qui as eu à faire l'intervention, c'est toi qui as joué le rapport de force, le trafic d'influence, parce que dedans tu as montré que c'est toi le policier, puisque le frère de la voiture vous dit, il n'y a pas de problème, je ne vois pas pourquoi vous voulez prendre la voiture, vous êtes allé jusqu'à demander qu'on vous donne 10 000 euros, 10 000 francs CFA, ou la voiture sera reconduite. Sur quelle base, monsieur Essono, ce jour-là, dans ton code de police, là, dans ton code d'intervention, comment tu dois arrêter les gens? Sur quel code, qu'on appelle le code de la route? Quelle infraction, monsieur, qu'on appelle le fer de Stan, avait commis ce jour-là, avait commis ce jour-là? Quelle était l'infraction réelle? Quelle était l'infraction? Rien. On passe. Non seulement ça, vous devrez, en tant que police, ce jour-là, lorsque le client, on va dire le particulier, le Gabonais, le citoyen, vous informe de sa situation, c'est-à-dire qu'il est peut-être en danger puisque sa voiture a une fuite, en tant que policier, si possible, vous devrez peut-être vérifier si c'était une voiture volée. C'est-à-dire que votre rôle aurait été de vérifier si c'était une voiture volée en commençant par demander les papiers. Est-ce que vous avez fait le contrôle des papiers? Non, puisque là n'était pas votre problème. Vous n'avez pas regardé si les papiers étaient bien du monsieur. Donc ce monsieur pouvait être un violeur ou un voleur ou un criminel qui cherchait à s'échapper. Mais là encore, si c'était un criminel et qu'il y avait un enfant dans le coffre, là, ce n'était pas votre problème. C'est-à-dire que si dans cette voiture-là, il y avait une victime dans la voiture, vous, ce n'était pas votre problème parce que vous ne vous intéressez pas réellement au problème. Il fallait commencer par demander, monsieur, présentez vos papiers et fouillez la voiture. Peut-être que c'était une voiture volée. Peut-être que cette voiture était peut-être aussi une voiture volée ou dans la voiture aussi, il devait peut-être avoir, je ne sais pas, de la drogue. Mais ça, c'était plus haut, c'est plus élevé pour vous, puisque là n'est pas votre mission. Votre mission est de racketter le peuple gabonais. Votre mission est de continuer à voler avec le trafic de pouvoir, avec ce pouvoir que vous avez dit qu'après Bongo, c'est vous, après Dieu, c'est vous au pays. Deuxième élément, vous prenez la voiture de la personne, vous l'amenez au siège de UNIS, c'est-à-dire au camp de police. Vous amenez
la voiture au camp de police en disant, oh monsieur, venez récupérer la voiture avec de l'argent. Donc le monsieur, au départ, il boude, il ne voit pas l'intérêt de payer. La voiture a les papiers. La voiture n'a commis aucune infraction. La voiture n'a tué personne. Je n'ai pas fait l'accident. J'étais mobilisée parce que je suis en panne. La voiture était mobilisée parce qu'il était en panne. Donc, vous amenez vous-même de votre propre gré avec tout simplement quoi encore? Une remorque qui ne ressort pas de la police. C'est-à-dire que quelque chose qui est hors de l'État, donc de la mafia, qui n'est pas en relation, qui n'est pas en partenariat avec la police, avec vos structures, avec votre unité. Cette remorque-là, elle vient d'où? Qui sont-ils? Et comment vous avez fait pour travailler ensemble? Comment cette remorque a pu intervenir en un laps de temps sans papier? Moi ici, quand j'ai eu mon accident à Lyon, il a fallu toute une procédure de remplir des papiers pour appeler remorque, viens prendre ma voiture où j'ai fait l'accident. Mais vous, il a fallu d'un clic-clac. Et la voiture était là, et la remorque était là pour prendre une voiture qui n'avait ni problème, ni souci, ni quoi que ce soit. Vous embarquez la voiture dans votre siège, c'est-à-dire au siège de la police. Ça encore, c'est illégal. Voici un troisième délit pour moi ici. C'est illégal parce que cette voiture n'avait pas le droit d'être là-bas. Cette voiture n'a pas fait l'objet d'une saisie judiciaire. Cette voiture n'est pas sur une enquête policière ou sur une enquête de meurtre, ni sur quoi que ce soit, rien du tout. Mais vous saisissez cette voiture-là, vous amenez cette voiture de force. Parce que pour vous, si la personne boude, la personne a le refus de tempérer. Donc la personne vous laisse, malgré que vous avez demandé 10 000 francs, il a refusé. Vous partez avec la voiture. La personne revient 3 jours plus tard avec réflexion que bon, je vais aller payer, il n'y a pas de souci. Mais il revient quand même, la personne dit que moi, je vais quand même aller payer, il n'y a pas de souci. Les 10 000 qu'on m'a demandé, je vais quand même aller me sacrifier. La personne arrive quand même au siège de la police. Et là, monsieur Essono, et là, toi, tu dis à la personne, le montant a augmenté. Sur quelle base? Sur quel frais? Où est la grille tarifaire? La grille tarifaire, autant pour moi. Quelle est la grille tarifaire imposée lorsque vous faites vous-même les saisies qui ne sont pas légaux ou légales? Légales, une saisie. Qui ne sont pas légales. Vous avez vous-même décidé d'amener cette voiture-là de force. Et arrivé aux forces de police le lendemain, vous allez vous imposer à la victime de vous payer 125 000 francs CFA. Sur quelle base? Parce que s'il faut donner 125 000, madame, votre voiture est un danger pour le public. Votre voiture est un danger, est mise en danger du citoyen parce que vous n'avez pas de frein, parce que votre voiture manque de frein, parce que votre voiture manque d'amortisseur, parce que. Donc, pour ça, nous vous obligeons d'aller faire un contrôle technique. Même si on fait un contrôle technique, il y a des trucs. Nous vous imposons un contrôle technique. Donc, comme votre voiture n'a pas de contrôle technique, vous allez payer 125 000 francs. Mais vous, il n'y a pas de ça. Mais comme à la veille, il y a 3 jours, le frère de la responsable, du propriétaire de la voiture, n'a pas voulu payer les 10 000 francs, avec énervement, vous avez dit, écoutez, le prix a augmenté parce que nous ne sommes pas une garderie. Quelqu'un vous a obligé de prendre cette voiture là où elle était? Lorsque vous dites à la victime que nous ne sommes pas une garderie, est-ce que quelqu'un a obligé l'UNIS d'aller prendre la voiture de quelqu'un et amener ça dans votre unité? Et là, vous taxez 125 000 francs CFA pour quelqu'un qui n'a rien fait. Et là, ça devient dur. Et même encore là, la personne va essayer de visiter, la personne va essayer de négocier en disant que 125 000, c'est trop fort. Revois le prix. Toi, tu jures, monsieur Essono, tu jures catégoriquement que non, c'est 125 000. C'est quelle gourmandise que toi, tu as en tant que policier, Essono, ou bien, c'est quel yak? Tu n'as même plus de dignité. Tu n'as même plus de conscience. Tu n'as même plus de conscience.
Quand tu viens à un gare routier, ils vont appeler à Kourouïwona, Zarba, tu t'as 125 000 francs CFA. Sur quelle base tu t'es basé? Et Yamouratouana, je n'ai pas 125 000 francs. Il y a maintenant 100 000, on a encore 125 000 bourriers. Sur quelle base, monsieur Essono? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez joué de votre pouvoir minable que vous avez dans ce pays? J'ai envie d'appeler ça comme ça. Parce qu'à part voler les Gabonais, à part tricher voler les Gabonais, qu'est-ce que vous faites? Lorsqu'on kidnappe les enfants devant vous, vous êtes là. Lorsque même deux Gabonais se battent sans se tuer, vous êtes là. À part dépouiller les Gabonais, chère force de l'ordre, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Donc, on arrive quand même avec les 125 000 francs là. Et donc, monsieur Essono refuse de libérer la voiture parce que la cliente, c'est-à-dire que la particulière, la victime, ne veut pas payer 125 000 francs. On est bien d'accord, moi je ne veux même pas payer 100 francs. Si j'ai pu refuser de payer 10 000 francs à trois mafieux à la gare routière en 2012, ce n'est pas 125 000 francs que moi j'aurais payé. Et c'est comme ça, avec la colère, la propriétaire va décider de porter plainte, va décider de saisir quelqu'un qu'elle connaît. Ils vont porter plainte auprès d'un premier enquêteur. Vous connaissez les gens-là, entre eux se parlent, entre eux se disputent, entre eux ça se dit des choses. Donc la pauvre sœur, à force d'attendre, à force de viens demain, se rend compte que même l'enquêteur ne répondait plus à ses appels, joue aussi au jeu des policiers. Même l'enquêteur joue aussi au jeu des policiers. Donc, ensuite, quand ils reviennent maintenant, ils envoient le frère. Quand ils reviennent, je pense que là, j'ai noté. Oui, quand ils reviennent maintenant, envoyer pour le frère pour prendre la voiture, voilà, qui était disponible à l'UNIS, ils se rendent compte que la voiture n'était plus présente. Voici la quatrième infraction que je vais vous mettre ici. Alors, la voiture n'est plus présente. Monsieur Essono et Monsieur Dika, comment vous avez fait pour déplacer la voiture? Puisque vous n'avez pas de clé, la voiture est venue dans votre siège là, ou auprès de votre siège, ou à l'UNIS, à la gare routière, hein, de la police UNIS, unité d'intervention spéciale de voleurs, par une remorque de la gare routière, complice du trafic. Parce qu'il faut appeler, c'est un trafic de voitures, de vol de voitures, de vente de voitures de particuliers. Toutes les personnes qui ont été saisies par la police, sachez que vos voitures sont vendues au plus offrant. Comment avez-vous fait pour déplacer cette voiture qui n'était pas la vôtre? Où est passée cette voiture avant d'arriver aujourd'hui à des solutions bracadi-bracada? C'est-à-dire que même la sœur est même gentille de vouloir accepter toutes les solutions que vous lui proposez. Moi, je reste focus sur la première. Qu'avez-vous fait de sa voiture? J'interpelle aussi le troisième enquêteur, deuxième enquêteur et même le patron qu'on a saisi. Monsieur le patron, ça ne sert à rien de faire les négociations en interne. Posez la question fondamentale. Qu'est-ce que monsieur Essono et monsieur Edika ont fait de la voiture d'une citoyenne gabonaise? Où est passée cette voiture? Parce qu'aujourd'hui, ils vont faire une reconnaissance de dette. Reconnaître la dette, c'est qu'ils reconnaissent d'être des voleurs. Reconnaître la dette, ils reconnaissent d'avoir vendu, ils reconnaissent d'appartenir à un trafic. Et là, parce que le trafic est tombé sur une personne qui ne se laisse pas faire. Je repose la question, monsieur Essono. Qu'avez-vous fait de la voiture de madame X? Où est partie cette voiture? Au bout de un mois, c'est-à-dire qu'à peine trois jours, quatre jours, à peine quatre jours, la voiture n'est plus disponible. Quand le frère est venu demander la voiture, lorsque vous l'avez demandé 125 000 francs CFA, il y avait encore la voiture. Mais le jour-là, il n'avait pas 125 000 francs CFA pour payer. Et lorsqu'il revient, après concertation avec sa sœur, lorsqu'il revient, quelques jours plus tard, il n'y a plus de voiture. Où avez-vous mis la voiture? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? La voiture là est où? Aujourd'hui, vous êtes dans les complots, dans les arrangements
Qu'est-ce qu'on a à foutre des arrangements? Les arrangements aujourd'hui, c'est que vous tolérez qu'il y a du vol dans la police. Les arrangements aujourd'hui, c'est que vous acceptez et vous reconnaissez que la plupart des policiers sont des ripoux. Les arrangements aujourd'hui, c'est que vous acceptez et vous validez que la population gabonaise n'est pas en sécurité. Lorsqu'on sera arrêté, on n'est pas sûr qu'on pourra récupérer nos dûs. Arrangement aujourd'hui qu'on a proposé à la victime, c'est-à-dire à la victime, comme ta voiture a disparu, comme si la voiture était un enfant, comme si la voiture est des pieds, comme si la voiture seule comme ça va disparaître. La voiture va disparaître seule. On va dire à la victime, comme ta voiture a disparu, on va te donner une nouvelle voiture. C'est la première proposition. Comme ta voiture a disparu par hasard, après reconnaissance des dettes, et là, monsieur, et son avocat avouait que je ne suis pas seule. Dans mon trafic, je suis avec monsieur Dika. Je ne travaille pas seule dans ce trafic. Mon collègue Dika aussi est partenaire avec moi. Nous avons fait la mafia ensemble. Donc, ils vont faire une reconnaissance de dette. Deux policiers, deux agents qui sont censés protéger et les biens et le peuple gabonais. Deux agents qui sont censés faire honneur à notre pays. Voilà un qui jouit de l'excès de zèle, excès de pouvoir. Et c'est comme ça, dans toutes les classes, dans toutes les institutions gabonaises, le peuple gabonais a cette manie d'être aisé, d'abuser de l'autre lorsqu'il a un peu de pouvoir. C'est comme ça, monsieur, et sonne au bien. Va avouer que je ne suis pas seule dans ce trafic de voitures. Oh. Voici mon collègue Dika aussi là-bas. Le monsieur Dika, on m'a appelé aujourd'hui que toi-même devant, il y en a qui ont des soupçons. Capture d'écran, le poste que j'ai fait là, j'ai reçu au moins 4 appels de vous deux. J'ai reçu 4 appels. Les gens étaient tellement impatients de voir. 4 appels. Mais j'ai dit que, mais quand vous connaissez les choses comme ça, pourquoi vous ne dénoncez pas? Oh, c'est les soupçons comme ça en interne. C'est les soupçons en interne. Donc, l'interne, tout le corps policier de l'UNIS sait très bien que vous êtes des voleurs, mais ils vous protègent. Tout le corps de la gare routière sait très bien que vous êtes des mafieux, que vous dépouillez la population gabonaise, mais on vous protège. Au nom de quoi et de qui? Vous travaillez pour qui? Quel est votre rôle? Quelle est votre mission dans ce pays? Chers confrères, après avoir proposé à madame la victime X, madame X, on va nommer ici, après avoir proposé à madame X une supposée voiture quelconque qui viendra de je ne sais pas où, peut-être d'un autre vol, peut-être qu'ils vont aller voter ils vont voler à Mabanda, ou ils vont aller voler à Port-Gentil, ou ils ont volé à Ndjolé, ou ils ont volé au Cameroun. Parce que eux, c'est des filiales. Hein. Ils ont des policiers partout, arrestations partout. Hein. Vous êtes là, ma voiture à la police, vos voitures, toutes les personnes qui savent très bien qu'on vous a saisi vos voitures là. Hé, mieux vous oubliez, les voitures ont été vendues par messieurs Essonne, Edika et Consort. Ils ne sont pas seuls, même jusqu'à la tête, ils sont au courant, ils ferment les yeux. Parce que pour qu'un patron vienne accepter un arrangement sans pourtant punir, c'est qu'il est au courant. Moi, patron d'une cellule, et que dans ma cellule, il y a des membres de ma cellule qui ont commis des infractions, il est hors de question qu'on fasse arrangement. Tu payes. C'est toi qui payes et tu fais la prison pour ça. Pour avoir bafoué l'honneur des policiers. Pour avoir bafoué l'honneur de la sécurité nationale. Pour tes intérêts personnels. Donc, ils vont proposer à la dame que on peut t'envoyer, on peut te donner une voiture. La dame dit non, je ne veux pas de cette voiture. Je veux d'abord savoir où vous avez mis ma voiture. Quel était le problème de ma voiture? Vous ne pouvez pas débarquer. Vous m'avez liquidé ma voiture. Et puis comme ça, quelques mois plus tard, on va te donner une nouvelle voiture. Sur quelle base? Est-ce que je vous ai dit que je cherche une nouvelle voiture? Je veux ma voiture. Elle est où? La question là, les policiers là n'arrivent pas à répondre ça. Il faut qu'ils nous disent aujourd'hui où vous avez mis la voiture. Parce que vous avez traité avec votre concessionnaire à la compétence de la gare routière.
Il a pris la voiture, il a remis à neuf, il a changé de plaque, il a remis la peinture, il a remis sur le marché, il va aller vendre cela. C'est-à-dire une voiture que vous avez volée gratuitement, vous allez remettre ça sur le marché. Vous allez remettre ça sur le marché à 5 millions, à 6 millions. Et puis comme ça, vous partagez. C'est votre trafic. Donc quand la dame, elle refuse, ils vont dire à la dame que dans ce cas, qu'est-ce que tu veux? La dame, elle va dire, moi, je préfère alors moi-même aller dans un garage, aller chercher une voiture que je vais trouver là-bas. Je prends la voiture là et puis vous payez. Ils vont accepter la première proposition. Et puis, ils se donnent rendez-vous. Ils vont se rendre au garage. Quand ils se rendent maintenant au garage là-bas, pour prendre maintenant la voiture, quand la dame veut prendre la voiture, voilà les policiers qui sont... Le Gabon fait pitié. Et Mahabou, là, il ne faut pas venir me donner les mots de tête. Quand ils se rendent maintenant chez le concessionnaire... Le bien, moi, l'a pris. Et quand il sera ménagé le concessionnaire, les policiers commencent à changer. Non, 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 non. On n'a pas l'argent pour payer ta nouvelle voiture. On n'a pas l'argent pour payer la voiture. Si on prend la voiture, si tu prends la voiture là, on va payer peut-être 150 000 francs par mois. Je dis que non. Le temps que vous payez, parce que le temps que tu payes l'argent, ce n'est pas comme ici en France, ce n'est pas un crédit, hein, tu ne donnes pas la voiture. La fille refuse. Je dis que non. Vous m'avez dit de choisir une voiture. Maintenant, j'ai choisi la voiture. Maintenant, vous dites que vous n'avez pas l'argent. Finalement, on fait comment? C'est là où la fille s'énerve. Maintenant, définitivement, elle dit que non, ce n'est pas possible. Donc, vous vous jouez de moi. Donc, vous vous jouez de moi. En fait, la seule solution que eux, M. Essono et Dika, avaient de disponibilité, c'était d'aller voler notre voiture et venir donner à une autre client. Donc, ils font peut-être que la voiture de cette victime a été vendu pour aller récompenser une autre personne qu'ils avaient peut-être volée auparavant. Donc, ils voulaient refaire la même chose avec elle. Donc, comme elle a refusé, maintenant, ils arrivent maintenant au moment où il faut payer parce que la voiture de la victime coûte 4 500 000 francs CFA. Vous aussi. Vous imaginez déjà tout l'argent que vous avez fait perdre à cette femme? Vous imaginez déjà les dommages et intérêts que vous devez donner à cette femme? Parce qu'un clando par jour, minimum, c'est 25 000 francs. Pendant 3 mois, vous avez pérennisé, vous avez même quoi? Non, pérenniser, c'est quelque chose de bien. Vous avez détruit son business. Vous avez anéanti son business. Combien elle a perdu? Si vous faites des calculs, 25 000 fois à la journée, fois 90 jours, combien vous devez à cette femme-là? Ça, ce sont les intérêts que vous devez à cette dame-là, parce que c'était son activité professionnelle. Non seulement les demandes d'intérêt de ça, et en plus, pour l'avoir tout simplement saisi sa voiture, son véhicule, sans aucun motif, sans aucune infraction. Ça encore, c'est les dommages intérêts que vous devez payer à cette dame-là. Mais malgré ça, elle s'en fout. Elle ne veut pas de ça. Parce qu'on sait qu'au Gabon, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle dommages intérêts. Puisque vous, les policiers, les forces de l'ordre, vous êtes la fa et l'oméga. Après, vous, il n'y a rien. Vous tuez quand vous voulez. Vous kidnappez quand vous voulez, vous volez quand vous voulez, vous rentrez dans les maisons des gens quand vous voulez, vous frappez quand vous voulez, personne ne vous demande les comptes, personne ne vous fait rien. C'est vous. Mais malgré ça, elle laisse tous les dommages intérêts là. Elle dit que je veux seulement ma voiture. Vous acceptez vous-même. C'est-à-dire que même votre parole est nulle. Votre parole est merdique. Vous avez donné la parole à une citoyenne. Vous avez donné votre parole, monsieur Essono et monsieur Dika. Vous avez dit à cette dame, allez-y dans un garage, choisissez une voiture. Nous, police, nous viendrons payer. Même ça, vous avez été incapable de tenir. Bande d'incapables comme Ali Bongo Ondimba. Vous êtes à la hauteur de votre président. Ça veut dire que même vos paroles, vous êtes incapable de tenir vos paroles. Vous êtes incapable de respecter la parole et l'essence même d'un homme. La parole et l'essence même d'une personne. Vous avez donné parole à cette femme. Mais même ça, vous avez été incapable de respecter votre promesse et votre parole après l'avoir volé sa voiture. Elle s'est rendue au garage. Arrivée là-bas, vous avez dit, on n'a pas l'argent pour payer cette voiture. Mais vous êtes basé sur quoi alors lorsque vous avez signé cette reconnaissance de dette? Et donc, la victime se sentant lésée. La victime se sentait encore abusée une troisième fois parce que là nous sommes à deux plaintes et à deux enquêteurs. Elle va écrire une troisième plainte directement à la direction.
et au troisième enquêteur qui va faire une confrontation entre Essono, Dika et la victime. Et c'est là, parce que l'affaire est arrivée haut, et là où je vais tirer les oreilles du patron d'en haut, il ne suffit pas de dire qu'ils vont payer. Ces officiers doivent payer. Ils doivent faire la prison ou ils doivent être sanctionnés. Apprenez à sanctionner les vôtres. Ces officiers, messieurs et sonneurs, pourquoi? Escroquerie, corruption, tout ça l'a mélangé. Monsieur Essono et monsieur Dika. Quand maintenant ils arrivent à la troisième plainte, on dit, bon, ok, maintenant on va te rembourser l'argent. Là, nous avons trois propositions. Première proposition, tu ne veux pas qu'on te donne aussi une petite voiture qu'on va aller voler quelque part. Madame dit non. Deuxième proposition, on va chercher une voiture au garage. On va au garage. Nous, on n'a pas l'argent, on ne peut pas payer ça. Troisième proposition, on va maintenant te donner de l'argent. Dans tout ça, elle ne sait pas où est toujours sa voiture, où est partie sa voiture, comment ça a été volatilisé là-bas à la gare routière, au camp de gendarmerie, de police. Et donc, elle dit, ok, mais moi, pas une voiture, si vous voulez me rembourser, pas en dessous de 3 millions, et en dessous de 4 millions. Ils vont lui proposer tout simplement 3 500 000. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas encore payée de ces 3 millions. La reconnaissance de dette voudrait que c'est demain qu'on doit lui payer. Demain, normalement, elle est censée être payée à 3 500 000. Et ça, ça ne coûte même pas. Ça veut dire qu'elle perd 1 million de francs CFA. Non seulement elle perd sa voiture, et elle perd encore 1 million de francs CFA. Et ça, la plupart des collègues sont informés. La plupart des collègues sont informés. Les collègues de Essono et de Dika sont informés. Ils ne disent rien. Ils consentent. Ils valident. Ils protègent. Ils protègent. Aujourd'hui, c'est avec un peu d'énervement, 3 mois plus tard, parce que là, nous sommes à 3 mois, qu'elle décide d'amener le problème ici, pas parce qu'elle veut faire du mal à qui que ce soit, parce qu'elle estime que c'est quelque chose de grave. À ne pas en parler, c'est que demain, il y aura encore d'autres victimes, comme la femme qui a peur de venir témoigner là. Elle a appelé une dame aussi, qui est aussi victime, et elle a dit que non, elle ne veut pas avoir de problème. Elle aussi, sa voiture a été ramassée par hasard, sans problème. Et la voiture aussi n'existe pas. Elle aussi, la voiture aussi s'est envolée, a disparu. Parce que le camp de police là-bas, les voitures disparaissent. En fait, là-bas, il y a Mami Wata. Il y a Mami Wata où il y a fantomas de voitures. Vos voitures là, il y a un fantomas qui vient comme ça, qui ramasse vos voitures. On ne sait jamais là où vos voitures s'en vont. Elle a décidé d'être dans le silence. Et ça, c'est des personnes qui font en sorte que des gens comme Ba Essono continuent à piller les Gabonais. Parce que personne n'en parle. Parce que tout le monde a peur. Parce qu'on a peur des forces de l'ordre. Ce sont les citoyens qui sont là pour nous protéger. Ce sont les forces de l'ordre et non les forces du désordre. Ils sont là, ils sont censés nous encadrer, nous protéger, éveiller sur les intérêts des Gabonais et non sur leurs intérêts, leur business. Aujourd'hui, M. Dika et M. Essono, pour ma part et votre patron, parce que malheureusement, j'ai appris que mon direct était informé dans votre groupe là-bas. Tant mieux. J'espère que M. le commandant ou le commandant ou le sommet là-bas, tu écoutes ce que je te dis ici. Ne soyez pas les aveugles, ne soyez pas comme Ponce Pilate. Ne soyez pas comme Ponce Pilate. C'est-à-dire qu'il voit, il a vu que Jésus était innocent et il a lavé les mains et il a permis à ce que Jésus soit sacrifié sous son règne. Ne soyez pas les Ponce Pilate qui voit tout et préfère de fermer les yeux et laver les mains en disant « ça ne me regarde pas, c'est entre eux ». Parce que si tu es à la tête d'une unité, si tu es à la tête d'une section, si tu es à la tête de quoi que ce soit, d'une structure, il va de ta responsabilité de ramener de l'ordre.
lorsque les membres, lorsque tes membres, lorsque ton équipe commence à déconner, commence à foutre la merde dans le pays, si sanction doit y avoir, tu te dois d'imposer, de faire le rapport. Et on s'en fout. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont appris. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont allés à l'école, qui aimeraient, je dis bien aimeraient être là et mettre leurs compétences auprès du peuple gabonais. Vos recrutements à la noix, à la con que vous faites au Gabon, là, par apparenté, par lien d'affiliation, par lien de biologie, par lien de je ne sais pas quoi, tel, c'est le copain de qui devient policier. Des personnes qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont que le vol, qui n'ont que l'escroquerie. Sur quelle base vous recrutez ces personnes? Beaucoup d'entre eux ne sont jamais allés même à l'école de police. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas la déontologie. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas ce que c'est. Même, ils ne connaissent rien. Moi, j'ai un pote, il a quelqu'un qui dit que moi, j'ai mon frère qui est policier. L'autre, il me dit que non, j'ai ma soeur qui travaille au commissariat. J'ai ma soeur. Au Gabon, le recrutement, c'est entre familles. Et du coup, on met les illettrés, les incapables. Veillez sur les intérêts des Gabonais. Donc, monsieur le général ou monsieur le haut sommet de la direction de l'UNIS, vous avez l'obligation de faire votre travail. Vous avez l'obligation d'abord de trouver la vérité. Parce que ça, même si demain ils vont rendre l'argent, mais la question fondamentale reste encore. Où est passée la voiture principale? Qu'a-t-il fait de la voiture de la victime? Combien de voitures il a vendues? Parce que beaucoup ne parlent pas, beaucoup ont peur. Combien de voitures il a vendues? Combien de voitures il a dépouillées? Combien de personnes il a fait victime? Ça, c'est la question que vous devez répondre. Vous devez enquêter sur ça. Voici l'énigme d'abord à trouver. La voiture ne peut pas avoir à être volatilisée comme ça 2 jours plus tard. Vous connaissez la vérité et vous faites semblant. Chers frères, vous n'êtes pas là pour vous. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, le Gabon ne connaît pas la guerre. Nous ne sommes pas un pays de guerre. Et la plupart des Gabonais n'ont pas de voiture. Ceux qui ont des voitures, c'est ceux qui ont peut-être reçu leur vie, ceux qui se cherchent un peu. La plupart ne commettent pas des infractions. Quoi. Ça veut dire que si même on devait dire que police, on devait même bannir la police au Gabon. Vous ne servez à rien. C'est mon point de vue. Si on doit enlever quelque chose, c'est tous les forces de l'ordre là. Parce que vous ne servez qu'un seul camp. Vous n'êtes pas là pour la population. Et c'est bien regrettable. Parce que même dedans là, il y a des innocents qui sont en train de payer pour mes mots là. Parce que je sais que dans les forces de l'ordre, il y a des gens qui sont là, qui aiment le Gabon, qui font leur travail propre, qui ne sont même pas tachés un peu. Mais comme on dit, quand moi je parle là, je mélange tout le monde. Mais pourtant dedans, je reconnais, sachant que mes propres parents sont aussi dans les forces de l'ordre. Mais je reconnais que dedans, il y a des hommes pieux, il y a des hommes honnêtes. Mais leur dignité, leur honneur sera bafoué et sali par des petites personnes scrupules comme ça, comme les Essono, qui passent tout leur temps à voler, à racketter la population gabonaise. Et ça ne s'arrête pas seulement au vol de voiture, on le sait très bien. Tu pars à la rue de Clando, quelqu'un va rouler sa voiture au taxi. Dans un taxi, tu fais gare routière, au Vendo, vous allez être contrôlé plus de 100 fois. Et les 100 fois là, les taximans vont donner 500 francs, 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs. Et à chaque fois, ils doivent donner de l'argent pour un contrôle. Où c'est? Est-ce que le contrôle technique est fait? Est-ce que la voiture et les papiers? Non. Mais ce sont les usagers qui font maintenant le salaire, qui payent le salaire des forces de l'ordre au Gabon. C'est-à-dire que vous là, vous vous êtes engagé pour que ce sont les citoyens qui payent pour vous. Et vous trouvez ça normal. Et vous trouvez que non, on va négocier. On va déjà te payer. Non, pourquoi tu vas encore aller payer, parler dans les réseaux sociaux? Non. On va déjà te payer. Non, tu vas déjà être indemnisé. Mais pourquoi tu parles? Non. Parce que vous en faites un peu trop. Mais si elle se serait tuée, qu'elle pense seulement de l'argent. Demain, c'est où? Demain, c'est qui encore? Demain, vous prendrez qui? Demain, qui sera la victime? Et tout ça, ce Mongo d'Ali Bongo là-bas, qui a dit que le Gabon va bien, et tout ça ne vous condamne pas.
commencer par vous couper les salaires. On devait commencer par vous couper les salaires. Et par vous enlever même de votre poste. C'est-à-dire que si on vous punit pendant 2 mois sans salaire, quand tu reviens là-bas, tu as lavé le cerveau que tu ne voudras plus. Eh Dieu! Eh Dieu! Est-ce que j'aurai le pouvoir un jour? Putain de merde! Non! Est-ce que j'aurai le pouvoir un jour? Les gens vont fuir le Gabon. Putain! Vous allez fuir le Gabon. Vous allez fuir. Oh putain de merde. Vous allez fuir le Gabon. Même voler une cuillère. Il n'y aura pas de voler une cuillère. Vous allez fuir le Gabon. Bon. Voici à peu près l'affaire que je voulais exposer aujourd'hui. Moi-même, là, je n'aime plutôt parler des histoires des gens, mais ça, c'est de l'intérêt national. Je pense que les forces de l'ordre doivent revoir aussi de leur côté. Aujourd'hui, vous savez, nous avons tendance à chaque fois de se plaindre du gouvernement, mais il n'y a pas que de gouvernement. C'est dans toutes les classes politiques, sociales de notre pays. Chacun veut montrer que c'est moi qui commande et il abuse du pouvoir qu'il a. Même exemple, vous partez, vous vous rendez au tribunal, où vous avez, où vous rendez dans n'importe quelle institution, dans les mairies, c'est encore pire. La mairie du 5e arrondissement, mon père travaillait là-bas, c'est-à-dire le petit frère de mon père travaillait là-bas. Vous rendez dans les mairies, vous rendez dans les trucs, c'est des personnes qui ont excès des aides. C'est des personnes où pour aller faire ton droit, demander quelque chose, tu dois supplier. C'est un supplice pour toi. Tu dois te rabaisser, tu dois payer. Alors qu'il est là pour ça. Alors qu'il travaille pour ça. Moi, je vois ici en Europe, quand je veux un papier, j'appelle. Si je veux un certificat de quoi, j'appelle. On va me donner, oui, madame, allez-y sur le site, vous faites la demande là-bas. J'ai fait. Et si je dois me rendre sur place à la mairie, on va te dire, tu arrives, on t'accueille bien avec sourire. Pourquoi on a du mal? Ça veut dire que, et pourtant, le Gabon est calqué sur le système français. Vous, là, au Gabon, on est calqué. On est qu'on est photocopié. On a pris la France comme ça. On prend la France et on prend une feuille blanche. On calque comme ça. On est en train de copier la France. Le Gabon, c'est la France de l'autre côté. Mais vous calquez quoi? Calquez le comportement aussi. Calquez comment, je ne dis pas qu'ils sont bien, mais par exemple, calquez un peu ce qui est bien. Calquer comment les institutions, les administrations françaises fonctionnent, même si parfois il y a des différences quand il y a un peu de racisme. Mais moi, si je m'en vais dans une mairie française aujourd'hui, que je vais prendre rendez-vous avec le maire, je vous jure que le maire, la secrétaire, elle va me donner rendez-vous. Elle n'a pas à dire que, qui, à cause de quoi? Non. Le maire n'est pas pour moi. Moi, des fois, je parle que je prends rendez-vous avec le maire quand je viens appeler. On me donne rendez-vous avec le maire. Le maire me reçoit dans son bureau. Je présente ce que j'ai, je parle au maire comme ça, face à face, un citoyen. Toi, sors de maire que tu vas aller voir le maire, c'est fini? C'est dur? Tu vas le voir par comment? À cause de qui? À cause de quoi? Il faut payer. Voilà pourquoi on dit le Gabon, là, ce n'est pas seulement des bons mots. Les mentalités, là, nous tous, nous devons les changer. Nous devons revoir notre manière et notre façon, notre mindset de pouvoir développer notre pays. Et ça, je pense que nous sommes perdus d'avance. Parce que beaucoup de personnes qui ont soi-disant le pouvoir de gérer quelques infrastructures, quelques unités, se croient tout permis. Alors aujourd'hui, j'ai fait 1h50, 2h. Malheureusement, je vais couper. C'était pour 1h30 et j'ai fait un long live. Nous demandons tout simplement à M. Essono Dika, 1. De restituer la voiture, 2. Soit de rembourser, demain c'est l'échéance, le 5. Rembourser la dette, 3. D'arrêter de racketter vos concitoyens. Comme je sais que votre unité ne vous punira jamais parce que vous êtes tous pareils. Vous n'aurez jamais de sort de punition pour vos vols et vos trafics. J'aurais préféré et j'aurais souhaité que vous soyez condamnés. Voilà. Pas radiés, voilà, parce que je vais penser quand même à vos femmes, à vos familles. Pas radiés, mais punis. Suspendus même d'un mois, de 3 mois. J'aurais apprécié cela. Pour que ça vous fasse quelque chose dans la tête. Vous êtes là pour le pays et non le contraire. Demain, vous devez restituer l'argent de la sœur, c'est 4 millions de francs CFA.
vous avez volé sa voiture. Elle n'est pas la seule. Vous savez que je sais. Vous savez que je sais. Moi, je ne viens plus parler de spéculation qu'on m'a dit. Je ne parle plus de sources sûres. Non. La source sûre pour moi doit être là avec moi comme cela a fait. Mes sources sûres doivent dorénavant parler ici. Parce que c'est comme ça, nous tous, nous allons délivrer le Gabon, chacun à sa petite partition. Et vous savez très bien que vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai. Vos collègues m'ont appelé, ou certains de vos collègues m'ont appelé. Vous voulez savoir si je tenais quelque chose de lourd. Mais moi, je ne parle plus avec « on a dit ». Je préfère présenter ce qu'on m'a donné. Mais si c'est le « on a dit » là, vous savez qu'il y a beaucoup de « on a dit » sur votre cas et que la plupart de vos collègues savent, ils ont des soupçons sur vous, mais ils ferment les yeux. Et ce n'est pas bon. Une enquête devrait être ouverte. Madame, vous ne dites pas toute la vérité. Pourquoi veux-tu que je dise une vérité, donc je ne possède pas de preuves? Je dis ce qu'on m'a présenté. C'est parce que vous êtes habitué avec des spéculations. La dame qui est venue parler là ne dit pas la vérité. Si tu arrives au milieu du lave, le lave a été exposé. Quelle vérité veux-tu que je vienne dire, qui vient d'être... Quelqu'un vient d'expliquer sa situation. Toi, tu viens dire que ce qu'elle a dit là, ce n'est pas la vérité. Donc, tu connais la dame, l'attends, je vais épingler. Hein? Monsieur Bruno Dallas. Donc, toi, tu dis que la victime là, avec les voitures qui, où on est en train de remorquer sa voiture comme ça, ce n'est pas la vérité. La plainte qu'elle a posée, ce n'est pas la vérité. C'est là où moi, ils sont en train de dire que les gens m'ont appelé. C'est ça, ça veut dire que ce qui est officieux là, c'est l'officier que toi, tu veux connaître. Et l'officiel qu'on te présente là, toi, tu fermes les yeux sur ça. Hein? Ça, ce n'est pas une vérité pour toi. C'est comme ça. Parce que tout simplement, vous aimez vivre des sensations fortes qui ne sont pas basées sur les faits réels. Moi, aujourd'hui, là, sachez que sur cette plateforme, si quelqu'un va amener une situation que je dois dénoncer, c'est comme ça, on dénonce ça. Tu viens parler toi-même et on montre les preuves. Ne comptez plus sur moi pour venir vous faire les sensations fortes. Quelle vérité? Que je donne le nom de la personne, les quatre personnes qui m'ont appelé. Et puis comme ça va faire, oui, le colonel tellement appelé, oui, j'ai dit. Et puis comme ça, vous allez parler, crier. D'abord, le problème qui est là, allez d'abord demander la voiture. Où est-elle mis la voiture? Quand tu ne vois pas la vérité là, pourquoi tu viens me déranger à la fin de l'heure est finie même? Hein? C'est quelle vérité que tu veux savoir ici? C'est la lettre. Oh, pardon, j'ai fini. Pardon. Faut pas me fatiguer. Ça va péter, ça ne va pas péter, je m'en vais. Ouais. Vous ne trouvez pas que vous-même, vous avez l'art de me faire péter les câbles. C'est-à-dire que le live est fini 2 heures, il arrive 2 heures plus tard, il dit que je ne dis pas la vérité. Donc, la pauvre fille a parlé, a expliqué les preuves et tout ça là. L'affaire en justice, l'affaire des plaintes, 3 plaintes, 3 enquêteurs, et demain, normalement, la monsieur Essono doit payer les 3 500 000. Il n'y a pas la vérité. Parce qu'il a entendu que il y a 4 personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'ils ont des soupçons sur Essono. C'est les 4 personnes là qui veulent que je dise le nom. Parce que vous aimez ce qui est faux. Peut-être que les 4 personnes là aussi, ce sont des rivaux, des Essono. Peut-être que eux, c'est règlement de compte. Vous pensez comment on peut m'utiliser? Ah! Vous pensez que moi, je vais faire des règlements de compte entre les policiers? Genre, moi, je suis assise comme ça, je vais venir dénoncer un policier, à dire sur un policier, que lui-même, il n'a qu'à venir prendre la caméra, il rentre avec moi là, il vient dénoncer son collègue. Il va passer par moi pour qu'il dise que, monsieur, c'est là où tu vois là, monsieur Bandinga m'a appelé. Ça, c'est non au hasard, pardon, n'allez-y pas chercher un Bandinga dans votre structure là-bas. Vous pensez que je vais venir, vous voyez que moi, j'ai une balance. J'ai venu que monsieur Bandinga m'a appelé, a dit que, il croit que tu es. Non. Si monsieur Bandinga veut dénoncer Essono, il rentre dans le direct. Voilà, parce que j'ai bien reçu 4 appels. 4! 4! Disant qu'ils connaissent, ils ont des soupçons là-bas. Voilà, il y avait des policiers aussi. Donc ils attendaient ce que je venais présenter. Ils disaient qu'il faut être là. Si tu veux témoigner, viens rentrer aussi. Non, on va seulement écouter. Donc tu penses que c'est moi qui vais venir faire leur vendetta? Hein? Si tu ne connais pas la vérité, tu ne dis pas la vérité. Toi-même, peut-être que tu es un policier véreux ou voleur. Tu ne dis pas la vérité. Tu as volé. Bon, j'ai fini. La folie de ça. Alors, vous qui devez m'a dit la vérité à Alpha. Ils connaissent la vérité, ils aiment seulement qu'on parle en désordre. Voilà, donc on a terminé notre émission aujourd'hui, cas social, voilà.
Et pour vous donner un peu la feuille de route de nos prochaines dénonciations populaires, sachez que je dénonce que si les victimes sont eux-mêmes oratrices de leurs problèmes. Voilà. Tu parles, je viens appuyer, je viens relever les différences, je viens interpeller le pouvoir public ou la justice. C'est tout. Je sers tout simplement de plateforme. N'oubliez pas que je suis une plateforme communicante. Je ne suis pas le juge. Tout ce qu'on va faire ici, c'est maintenant à la victime de prendre maintenant tout ça aussi et de pousser un peu plus loin. Là, elle a fait les plaintes seulement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, si demain, elle n'est pas remboursée, prends un avocat, amène ça directement au tribunal. Et là, ils vont pousser l'enquête et vous allez voir que les grosses têtes vont tomber. Et vous allez voir que les grosses têtes, dans l'histoire qu'on commande doucement là, si tu amènes ça loin, les grosses têtes vont tomber. Et je pense que c'est un gros trafic qui est là. C'est un gros trafic qui est là. Je sais de quoi je parle. Mais moi, la fille de Bissel, ouais, je ne fais plus dans le coto-coto qu'on m'a dit, on m'a dit. Je ne fais plus dans le on m'a dit. Maintenant, si tu veux dire quelque chose, tu viens dire ça devant les Gabonais avec les preuves. Si c'est pour compter sur ma bouche là, pour venir raconter vos histoires de quartier là, et puis plus tard, vous me portez plein vos poils du cul en avance. Vous comprenez? Voilà. Je pensais que j'allais finir le live sans insulter. Bon, voilà. On a dit que je suis la reine de la sauvagerie, ça ne va pas quitter demain. So, alors, moi je vous laisse par là, portez-vous bien, la gang, tout ça c'est le système, oui, le système ne peut pas, non, pour ça là j'enlève le système, pardon je refuse, Bongo, à ses limites, on ne va pas accuser Bongo, si tu es voleur là, ce n'est pas Bongo qui t'a envoyé d'aller voler, les amis, acceptons d'être qui nous sommes, sans avoir accusé quelqu'un, si tu es voleuse aujourd'hui, violeur aujourd'hui, Bongo ne t'a pas forcé d'aller attraper quelqu'un, et l'abuser. D'accord? Si quand il a arrêté la voiture, là, Bongo n'était pas là-bas. Ça, je refuse. Chacun doit accepter ses responsabilités. Bongo n'était pas là-bas. C'est pas Bongo qui allait voler la voiture, là. C'est pas le système. Tout ça, c'est les mentalités de chacun d'entre nous. C'est l'éducation. C'est tout ça. Voilà, on doit changer nos mentalités, notre façon d'avoir. Sur ce, je vous aime, chers peuple d'abonnés. Et on se donne rendez-vous d'ici là, dans la semaine prochaine, d'ici peu. Moi, je vous laisse. J'ai tellement duré. Laissez-vous. Prenez soin de vous. Merci encore d'avoir été là. Merci pour les partages. Vous voyez que quand vous pouvez, vous arrivez. On est arrivé, je pense, à 205 personnes connectées. Merci. C'est gentil. Voilà. Continuons comme ça. Continuez à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Continuez à apporter du soutien, à éclairer les choses. Et monsieur le commandant ou monsieur le Kikiki là-bas, essayez d'appliquer vraiment la loi. Essayez d'appliquer des bonnes résolutions par rapport à vos collègues. Et surtout, essayez de remettre de l'argent à cette compatriote, ces 4 millions de francs CFA, comme il se doit pour demain. Parce que sinon, vous aussi, vous êtes responsables. Je vous remercie. On se donne rendez-vous dans les prochains jours, dans les prochains lives. C'était votre reine, Claire Numan, maréchal des opprimés, ministre de la misère, tata dérangée, bouche percée. Bonne soirée.